Voilà, incroyable, non pour avoir mini cap, ça y est. Et encore désolé hein, pour ce petit bug, mais regardez, grâce à ce petit réglage, je peux jouer enfin à Zelda Minish Cap, les amis, incroyable. Incroyable, on peut faire un Zelda en live. Bon, c'est parti, on joue, on est parti. Hey! Allez, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres. Oh là là, qu'est-ce qui est beau ce jeu en vrai. Des Minish descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains, une lumière d'or et une épée. Armé de sagesse et de bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénèrent. Rare l'épée. Incroyable, ce jeu il est trop beau. Oh là là, tout le monde sait qui c'est. Cette personne qui tape, mais bon. Évidemment, je dirais pas les noms, je vais. Enfin, je vais faire. Je vais rien dire en avance, quoi. Je dirais jamais ce qui va se passer ou quoi, parce que sachant que je sais qu'il y en a qui ont peut-être jamais fait le jeu ou qui redécouvrent, qui veulent redécouvrir de A à Z. Donc je voilà. Et vous reconnaissez cette personne, mais non. Elle va le dire dans pas longtemps, cette dame. Bonjour Monsieur Smith. Voilà, Monsieur Smith. Princesse Zelda, incroyable, la princesse Zelda est juste ici, vous imaginez. Quelle surprise! Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule? Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais dites-moi, où est Alexienne? C'est la fête annuelle des Minish en ville, tout le monde s'amuse bien. Je suis venu chercher Alexen pour qu'on y aille ensemble, il peut venir. Ça tombe bien, je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à très tard hier soir, il doit être encore en train de dormir. Ne t'inquiète pas, il est grand temps qu'il se lève. Alexen, tu as de la visite! Il va trop le Monsieur Smith me gueuler comme ça, c'est Alexen, tu as de la visite, descends de suite. Alexen, tu as de la visite. Et là, je suis là, oh, ça va, hein, c'est la grasse mat. Hein. Sauf que moi, je suis brun. Hein. Alexen, là, il est blond, moi, je suis brun. Donc, allez, on descend. Nous allons voir Monsieur Smith qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut, Monsieur Smith, là? Bonjour. Oh. Bonjour madame. Oh, te voilà. La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Minish. Bonjour Alexen, tu veux bien t'amuser avec moi? Ton grand-père m'a donné son accord. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que tu m'as commandée, le roi. L'épée qui m'a commandé le roi est prête, pardon, j'ai du mal à lire des fois aussi. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Incroyable. Votre grand-père vous confie l'épée des Smiths. Vous devez aller à la livrer. Faites attention à ne pas la perdre, sinon ce serait fâcheux quand même de la perdre. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi, ne la perds pas. Hein, il y a un tournoi. Mais surtout, n'oublie pas que même si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda et la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. Ok. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Smith, Alexen. Allons voir la fête en ville. Tain, 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 tain. Quand il y a une musique de Zelda, je suis tout heureux. Hein, vous savez. Merci, hein, Monsieur Smith. Zelda et la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. Bon, premier coffre qu'on ouvre sur ma live. Incroyable. Vous avez trouvé 20 rubis. Ce n'est pas mal du tout. Moi je prends les pots dans ces. J'ai aucune touche pour les pots. Ah si, j'ai une touche. Hop. Ouais, j'ai trouvé 5 rubis, incroyable. Allez, roulade, c'est comme ça, très bien. Regardez-moi ça. Incroyable, les amis. Hey, par ici, Alexen. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Une chose à la fois. Voilà. Allez, on y va. Alors, attendez, je vais essayer de prendre le buisson qui est là. J'essaie de prendre le maximum de rubis quand même.
Je sais pas si ça avait cheaté d'en avoir beaucoup au début, mais bon. On essaie quand même de regarder un petit peu partout. Alors. Hop. On va essayer de récupérer un maximum de rubis, les amis. Incroyable. Imaginez. Je crois que monsieur. Incroyable, non? Qu'il ne peut pas. Ah oui, non, je l'ai eu tout à l'heure. Celui-là, je l'ai pas eu ça. Je pense que monsieur Julien a pu avoir voir son médecin. Il est actuellement en train de dire que je lui ai détruit les oreilles tout à l'heure en faisant GTA. Il m'a fait gagner une course de chevaux. Peut-être on va raconter ça au médecin, peut-être, qui sait. Par ici, dépêche-toi. Oui, j'y arrive, madame. Enfin, j'y arrive, princesse. Regardez, moi j'ai pas les pancartes, je les jette. Incroyable. Je suis un peu dissident comme garçon. Je fais ce qu'on me dit de faire, non, ce qu'on me dit de faire, je le fais pas plutôt. Wow, c'est festif ici, il se passe quoi là? Oh, carnaval de Dunkerque. Je dis ça, en fait, c'est juste une fête annuelle, c'est pas une fête de déglingo. Regarde Alex, ça a l'air génial. Allons vite voir les attractions. Allez, c'est parti, je te suis, princesse. Ne t'étonne pas trop, princesse, parce que je vais te perdre de vue. Bonjour, monsieur. Bienvenue à la fête des Minish. C'est cette année que s'ouvre la porte. Les Minish vont peut-être revenir. Oh, imaginez, les Minish, on les verra peut-être. Oh, je suis tout content. Bonjour, madame. Cette nous a donné beaucoup. Oh, doucement. Beaucoup de travail, mais je suis fier du résultat. Très bien, merci madame pour votre conseil. Là, il y a Zelda qui est là, on lui parlera après. Alors Alex, tu t'amuses bien? C'est la plus grande fête d'Hyrule, il faut en profiter. Ok, merci. Il paraît que ces tout petits minis qui m'apportent ce bonheur. Tu demandes ce qu'ils vont passer. Ah, quand est-ce qu'ils vont passer pour te voir? Ok, très bien. Chaque année, un tournoi est organisé au château à l'occasion de cette fête. Celui de cette année vient de se finir. C'est un homme en noir qui l'a remporté. Très bien, on ira voir qui c'est ce monsieur. Peut-être, peut-être pas. Je vais regarder une tournoi qui a eu lieu au château d'Hyrule au nord de la ville. C'est vraiment superbe. Tant d'émotions, ça t'ouvre l'appétit. Ok, là il y a un monsieur ici aussi. Une fois par siècle, la porte qui relie le monde des miches et des humains s'ouvre. C'est justement cette année que la porte doit s'ouvrir. Il paraît que les minis vont vous rendre visite. Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Bah, j'espère que tu seras heureux, mon ami. Bonjour les jeunes. Oh, t'as déjà vu un Minish, toi? Bon, moi j'en ai vu un l'autre jour. Il avait un chapeau rouge, il s'était caché dans la chaussure de mon père. Elle dit quoi la fille là? Ben, moi j'ai jamais vu les Minish. Ok. Bon, y a des commerçants un peu partout. On va aller voir la princesse Zelda. On y aura peut-être parlé aux autres commerçants avant de continuer cette belle fête. Bon, qu'est-ce que tu veux, princesse? Alex, tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme, toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On écoute l'histoire du vieil homme? Allez, on écoute l'histoire du vieil homme. Il y a très très longtemps, notre monde a été envahi par d'horribles monstres. Ils étaient si féroces et si forts que les gens ne pouvaient rien contre eux. Mais les Méniches sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. Grâce à ces cadeaux, les monstres ont été vaincus et la paix retrouvée. Cette fête en l'honneur des Méniches a lieu chaque année pour ne pas oublier, mais les Méniches ne se montrent que devant les enfants sages. Très bien. Merci monsieur pour l'histoire. Ah, Princesse Zelda, elle est partie parler au monsieur de tout à l'heure qui voulait voir les Minish. Alors, les Minish utilisent vraiment, hein, c'est ce que dit mon père aussi. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas? On lui a déjà parlé, on va pas lui reparler. Bonjour Zelda, qu'est-ce que tu fais là? Il y a eu un tournoi au château, je me demande bien qui est le vainqueur. Tiens, je vais aller faire un tour là-bas. C'est un homme tout en noir, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La cloche est sonnée. Félicitations! Merci, merci, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est formidable, Princesse Zelda, vous avez tiré le gros lot. Oh mon dieu, Zelda a gagné un gros lot, mais qu'est-ce que c'est? Non, elle a tiré le gros lot, je rigole. Une jolie pierre en forme de cœur, ou bien un magnifique joyau, ou encore un petit bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine. Le cœur n'est pas mal non plus, mais prenez ce que vous voulez. Lui choisis ce petit bouclier. Hein? Là, c'est la tête que tu fais la première fois quand tu joues au jeu. Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Que feriez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regardez cette pierre en forme de cœur, elle est pas mignonne. Et ce gros joyau n'est-il pas splendide? Bah oui, je suis d'accord avec ce monsieur, mais pourquoi? Et pourquoi? C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non? Oui. Oui, c'est ce bouclier que je peux le prendre. Voilà. Ainsi soit-il, vous avez pris le bouclier, princesse, hein, c'est votre choix. Vous avez des goûts étranges, princesse, mais comme vous voudrez. Voilà votre bouclier. Oui, qu'est-ce qui se passe? Tiens, Alex, je te l'offre.
sûr qu'il tira bien. Wow, on a gagné un bouclier. Mais merci, princesse, c'est pour moi que vous l'avez acheté. Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous en rougissez un peu. Hop, protection. J'en étais sûr, on dirait un vrai chevalier. Comme ça, tu pourras me protéger. Mais au fait, il faut aller au château pour apporter l'épée de ton grand-père. Allons-y, lit Alex via Link. Non, c'est Alex. Dans ma version, c'est Alex. Bon. Qu'est-ce que c'est? Oh, des gens, ils ont. Regardez, des gens, ils ont des cornes rouges. Bonjour, messieurs. Ou mesdames. On a bien fait de venir de si loin avec ma soeur pour voir la fête des Minish. Ben, bienvenue parmi nous dans notre royaume. Je ne sais pas d'où vous venez, mais vous êtes d'un accoutrement un peu bizarre. Bon, évidemment, j'ai déjà fait le jeu. Je suis pas surpris. Alors, allez, SNCN, dépêchons-nous d'aller au château. Il faut justement faire l'effet de surprise pour garder le suspense. Allez, on va déraciser ces buissons, on va essayer de trouver des rubis. Ouais, un rubis vert qui fait gagner un rubis. Incroyable. Commence à faire sombre, on commence à de moins en moins voir là. Hop, incroyable, regardez, on va faire des petites cascades. Mais c'est magnifique. Oup, oup, hop, ah, ah. Allez, des rubis s'il vous plaît. Des rubis s'il vous plaît, donne-moi des rubis, rubis, merci pour ce rubis vert. Allez, on dératise-moi tout ça. Regardez, un haricot géant. Ah non, pas du tout. C'est juste une ronce qui a poussé sur le mur. Hop, et peut-être le dernier. Allez, on fonce dans l'arbre. Non, pas rien faire. Je sais pas, je teste. Hein. Bon, très bien, on va aller voir la princesse. On va arrêter de faire celui qui fait toutes les touches. Hop, protection. Incroyable. Princesse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais. Et ça fait mal, mais oui, bah. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une peste marchande. Les gardes du château nous en ont parlé. Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Fais quelque chose avec Céenne. Elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ses graines, je suis sûr que ça le calmera. Allez, on protège. Hop. C'est mon princesse, je l'ai mis KO. Oui, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville, alors je suis venu faire du commerce. Mais je ne peux pas m'empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur et en plus, personne ne veut s'approcher de moi. Bah si, Garmon, je me suis approché de toi. Après t'avoir fait mal, bien sûr. Difficile de faire du commerce dans ces conditions, je retourne dans ma grotte. T'aurais donné l'adresse et j'aurais pu aller faire un petit tour dans ta grotte, hein, mais bon, bref. La pauvre, ce n'est pas de chance. Elle m'a fait de mal avec sa graine, ouais. Bon, allez, on va aller voir la fête. Merci. Bon, on a assez perdu de temps ici. Je pense que nous allons vous rendre voir le monsieur qui se trouve le victorieux. Je sais pas ce qui se passe. Un monsieur, un homme a gagné. On va voir peut-être pour comment il a fait pour gagner. Peut-être qu'il va nous dire sa stratégie. Peut-être qu'il va dire attention, j'ai esquivé. J'ai un bouclier aussi. Je sais pas. Allons à la fête. Bonjour. Bonjour, monsieur les gardes. C'est en haut la fête? Ça se passe ici. Je vais voir la fête des Minish, enfin le combat qu'il y a eu apparemment. Bon monsieur. Oh mais c'est le petit Alex, tu es venu m'apporter l'épée. Ah c'est vous qui voulez l'épée. Elle est vraiment de belle facture. Foi de Tengaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps, la cérémonie va bientôt commencer. Ah. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. À tout à l'heure Alex, merci d'être venu avec moi à la fête. Mais à tout à l'heure Zelda. Puisque tu es là, mon petit Alex, tu devrais rester pour la cérémonie. Bon, bah allez, on va assister à cette cérémonie. On va voir ce monsieur en noir être récompensé. Oh, elle est prise de mille feux, cette épée. Connais-tu cette épée, Alex? Ou non? C'est l'épée Minish, l'épée sacrée. Jadis offerte aux humains par les Minish. On me l'a dit, capable de terrasser les plus terribles des monstres d'un seul coup. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Incroyable. Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de Monsieur Smith des mains du roi, ainsi que le grand honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Monsieur, c'est qui suis monsieur il y a un monsieur là qui vient d'arriver avec la princesse. Son mari? Mec, qui bête. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Oula, que Sir Vati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. Avancez, Monsieur Sir Vati. Ah, c'est vraiment le monsieur habillé tout en noir, mais habillé tout en noir ou c'est violet, bleu.
C'est un noir étrange. C'est trop facile. Bah, bien joué, c'est facile, mais tu es un bon combattant, on va dire. Voici donc l'épée munie chez le coffre scellé. Trésor de la famille royale. Ce coffre en fer, c'est tellement ce que je recherche. Et il est à moi maintenant. Bah. Mais il a gagné, c'est le prendre, il a gagné. Il a gagné le tournoi au premier, il pouvait lui. Personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée munie chez le coffre scellé. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Oula, voilà, je sais pas tes pouvoirs. On va te donner l'épée. Oula, oula, calme-toi, monsieur. Monsieur Vatsi, calmez-vous. Ah, mais c'est votre récompense, vous l'avez prise en deux. Incroyable. On lui offre une épée, il l'a brise en deux, mais c'est le roi des fous. Oh! Le monsieur qui présentait la cérémonie, il s'est fait éjecter de la map. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous tout ça? Le pouvoir de la lumière. Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse d'Hyrule. Je ne peux pas prendre le risque de me la laisser contrecarrer mes plans. Non, tu touches pas la princesse par contre. Alors là, je veux bien que tu fasses des dégâts en ville, mais la princesse, c'est mon ami. Tu vas goûter à ma malédiction. Je vais te changer en pierre. Impossible, je la protégerai. Ah! Et ben voilà, la princesse est devenue une statue de pierre incroyable. Ce monsieur Vati a changé Zelda en pierre. Ha 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 ha. Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent en travers mon chemin, sûrement, à mon avis. C'est un peu mieux, je trouve, mais bon, bref. À moi, le contenu du coffre. Il est vide. Qu'est-ce que. Bah, il est vide, gars. Il y a rien dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a enfermé que des monstres. Que cela ne tienne. Je sais que la force est quelque part dans ce monde. J'ai tout mon temps pour la retrouver. Incroyable, il a pété l'épée et en plus derrière il ose dire elle est vide. Mais heureusement que t'as gagné le tournoi, hein. On est gentil avec toi et toi derrière tu nous craches dessus. Ben, bravo. Ah, je dors tranquille et là. Attends, ce qu'elle touche? Bonjour infirmière. Tu as repris connaissance, ça me rassure. Monsieur Smith t'attend dans la salle du trône. Ah, Monsieur Smith, il est déjà là, mais purée, il a pas attendu longtemps avant qu'il apprenne la nouvelle. Il a été vite informé. Oula, Monsieur Smith! Le monsieur sur le trône. Sur le trône? Donc, à mon avis, ça doit être un roi important, lui. Tiens, tu es réveillé, Alex, tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment, le roi veut nous parler. Hey! Vous connaissez toute la situation. Vati a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changé en pierre. L'épée munie, je pourrais l'annuler, mais malheureusement. Va-t-il la briser? Tout espoir n'est pas cependant perdu. Vous savez qui sont les Minish? Les Minish? Les créatures sont pas plus grandes qu'une pouce dont parle la légende. Exactement. Mais les Minish ne sont pas une légende. Ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Chiloria. Ce sont eux qui ont forgé l'épée. Ah, l'épée des Minish qui est cassée là, par Vati. Très bien. Il devrait pouvoir en forger une nouvelle avec le reste de l'ancienne. Mais c'est formidable. Envoyez vite des soldats à les trouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Alex. Alex. Pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Bah, c'est plus une faveur, c'est pour sauver le monde. T'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Et Munich doit connaître un moyen de forger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour se défendre, en plus de l'épée Munich brisée. C'est quoi, l'épée Smith, tu veux dire? Bah tiens. Ouais, donc là on a eu l'épée brisée, donc c'est des. On doit la recréer, d'accord. Et là, c'est quoi notre épée? C'est l'épée de Monsieur Smith, pareil. Ouais, je m'en suis douté. Vous recevez l'épée des Smith, c'est votre grand-père qui l'a forgée. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez-moi ce Vati. Il y a dans la forêt de Chiloria un hôtel qu'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé contrairement par les humains et les Minish. Je crois que c'est une bonne piste, tu commences par trouver cet hôtel. Ok. Prends cette carte, si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie sur L ou R pour consulter la carte. Très bien. Une marque t'indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Vous recevez la carte d'Hyrule. Avec elle, vous ne vous perdrez pas. Ok. Très bien. On va se rendre dans la forêt de Chiloria. Je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Et ce monsieur-là, il a dit quoi?
Ok, dis de la merde. Allez, c'est parti. On va se commencer l'aventure de Zelda. Dis quoi, lui? Tu peux faire une roulade en marchant et en appuyant sur R. C'est pratique, ça permet de se déplacer plus vite. Si tu sauvegardes ton aventure, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Tu trouveras l'option sauvegarder sur l'écran statut quête et inventaire. Intéressant ça, tiens, on va sauvegarder. Hop, comme ça on aura fini de sauvegarde. Allez, retour, retour. Quand on retourne, quand on fait retour. Comme ça. Ok. Non, c'est pas comme ça. Comme ça, ok. Faut que j'apprenne les touches, hein. Excusez-moi les amis. Ça va être un peu chiant au début, je sais. Il y a plein de monstres hors de ce rempart du château. Ouais, ok, d'accord. Donc là, ils vont me dire, me raconter où il faut aller, etc. Je suis pareil. Bon, les amis, on se rend. On va se rendre pas loin de la forêt de Tilloria en espérant qu'on trouvera des bonnes choses là-bas. Ok, c'est parti, allons à l'aventure. Quittons ce château. Nous voici au plein nord d'Hyrule. Nous revoici ici, du coup. Regardez, des créatures à tuer là, incroyable. Hé, il veut quoi lui? Est-ce qu'on peut visiter la ville tranquille là? Hop. Incroyable. Il y a beaucoup de créatures ici, hein. On arrive, il n'y a personne là, ils sont tous là, les créatures d'un coup. Qu'est-ce qu'il a fait ce Vati là? Il a bien plein de créatures partout là. Vous avez trouvé un cœur, il vous redonne un peu d'énergie. Bon, ok, ça on sait. Les cœurs ça redonne de la vie. Très bien. Allez, on va voir ce qu'il y a de beau ici. Alors, il y a une pierre à soulever ici, c'est quoi? Oula, il y a un trou, une fissure en tout cas. Faut qu'on aille vers un petit tour, un de ces quatre. Mais je sais pas comment on y va pour l'instant. Bon. Allez, c'est parti. On va essayer de se rendre tout doucement mais sûrement à la forêt de Chiloria. On va essayer de récupérer des rubis si on en trouve. Allez, direction la forêt de Chiloria. Allez, c'est parti, on y va. Oula, c'est vrai, non, on peut pas aller parler des travaux. Bon, on va aller par un autre endroit du coup. Messieurs, messieurs, vos travaux, il faudrait se terminer vite parce que je voudrais passer par là, s'il vous plaît. Attends, c'est vraiment lui le chef, il n'y a pas de cheveux. Je suis Muto, le maître charpentier chargé par le roi de retaper la ville. On est en train de réparer les dégâts causés par le tremblement de terre. Tu pourrais te blesser à traîner dans nos pattes. Allez, petit gars, houste. Ok, ça vient. Bah, je vais essayer de trouver un autre chemin alors. Hein. Me débrouiller par moi-même. Alors, on va aller par où? Ah, par là, on peut pas. C'est verrouillé, on peut pas. Bon, il y a pas... y a un arbre, il y a quelque chose, un moyen de se déplacer. Donc, comment on fait? On fait quoi? On va où? Dites-moi la route, s'il vous plaît. Peut-être par là, il y a peut-être un chemin que j'ai pas vu. Très bien, il y a un chemin par ici. On va aller voir là. Ferme Lon Lon. Oula! Oula, il y a plein de créatures qui viennent d'apparaître. Incroyable, bon, sache que je savais qu'il fallait les tuer comme ça. Ça m'a tilté. Monsieur, vous marchez sur un buisson? Tiens, mais c'est Alex Nsen, tu vas dans la forêt de Tiloria. On s'occupe des monstres. Libéré par Vati, retrouve vite les méniches. Merci à vous, mon cher garde. On va s'y rendre tout doucement sur moi. Oh, ça va, on a encore 1 heure et demie de lag à peu près. On est encore bien, on a encore pas mal de temps ensemble. Je vais peut-être manger un petit truc entre temps. Je vais peut-être fermer mettre la lumière parce qu'on voit rien. Là. On voit plus rien. Hop. Tiens, saloperie de créature. Hop, on se défend pour pas qu'il nous fasse des dégâts. Oula, un rubis, on prend. Tout rubis est tout bon à prendre. Hein. La rubis et la rubis. La rubis. La monnaie dans ce jeu est vraiment importante, hein, je pense. On va essayer de s'en servir. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. C'est un tronc d'arbre cassé. Incroyable. Personne qui joue très très bien celui qui n'a jamais joué à Zelda Minish Cap, évidemment. Bon. Hop, 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 hop. Alors, est-ce qu'il y a des choses importantes dans ce bâtiment? Enfin, dans cette petite maison-là. Il n'y a rien du tout. Il y a des pots. On va casser tout ça. Ok, il n'y a rien du tout ici à part des pots à casser, comme d'hab, hein, c'est Zelda. Hein. Qui dit maison dit pot. On va dératiser le jardin, là. Ok, très bien. Bon, ici, il y a quoi? Il y a un jardinier, il y a rien. Il y a rien. Il y a même pas de vache, même pas de mouton, il y a rien, non? Ok.
Rien à faire ici pour l'instant, ce sera peut-être pour plus tard, on est encore au début du jeu, hein, faut pas oublier. Allez, toi tu meurs. Je suis désolé mon pote. Hop, on fait le ménage maximum du possible les amis. On va essayer de gagner des rubis, essayer de connaître les créatures petit à petit, pour savoir comment les tuer facilement. Ah, nous voici dans la forêt de Tiloria. Ok. Oh, elle est belle hein, cette forêt. Enfin moi que je connais le jeu, oui, j'aime bien cette forêt. C'est pas mon lieu préféré du jeu évidemment, mais c'est un de mes lieux préférés. Ok, parti. Hop. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de faire 100% du jeu, donc au début je vais juste avancer tout doucement. Et quand il y aura des trucs à faire pour le 100%, on ira les faire. Il y aura des objets à récupérer, etc. On ira les chercher. Bien sûr, je dis pas les noms, j'attends de découvrir avec vous pour que je vous le dise. Je vais éviter un maximum de trop vous en dire. Et pareil, je vais éviter d'entre vous d'en parler sur le chat de ah oui, là, c'est là où il y a cet objet, etc. Essayons de faire en sorte qu'on découvre tout ce jeu. Bon, après, vous êtes assez calme ici sur mon live. Hein. Mais bon, je ferai un prévenir d'avance, comme ça vous êtes averti que tout le monde puisse découvrir le jeu. Hein, c'est le principal. Surtout que c'est un très bon jeu, Minish Cap. J'ai pas vu s'il y avait des collègues sur Twitch qui le faisaient ce jeu d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Peut-être, c'est possible, bon, s'il y en a, s'ils le font, bah tant mieux. C'est pas du tout, une fois que je vois. Je n'avais pas vu récemment en tout cas qui en faisait des collègues. Puis c'est un très beau jeu, c'est un jeu vraiment que je fasse. S'il y a bien un Zelda que je voulais faire en live, en tout cas cette année, c'était bien celui-là. Après, est-ce qu'on fera un deuxième en live cette année, je sais pas, peut-être pas. Peut-être que oui, nous ne sommes jamais à l'abri de quelque chose. Alors, ici, il y a quoi? Allez, relève-toi le bleu, la créature là, la créature verte. Au secours! Oula, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Mais vous allez arrêter, oui! La musique qui a changé. Au début du live, j'ai mis des OST de Zelda Minish Cap, que je les mettrai à chaque début de live avant de faire du Zelda. Allez, il y a quelqu'un! Oula, quelqu'un est en danger, nous allons voir ça. Ouh, premier quart de cœur. Vous recevez un quart de cœur, 4 fragments, 4 cartes, 4 quarts forment un fragment. Former un reste étape complet permet d'augmenter la vie vitale. En gros, si on est 4, j'ai un cœur en plus. Très bien, merci beaucoup le jeu. Je pense avoir faim, je vais peut-être me prendre un petit donut pour le live. On voit plus rien ici, je suis désolé. Ah! Hey, gamin, oui, toi là-bas! Aïe! Dis donc, reste pas planté là! Ouille! Tu vas garder longtemps comme ça, mais aide-moi, bon sang! Allez, on s'occupe de ces monstres qui attaquent ce truc. Je sais pas ce que c'est. Ouh, j'ai eu chaud, mais j'aurais pu m'en sortir tout seul. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un gamin comme toi perdu en pleine forêt? Je vois. Les Minish, Vati, malédiction, l'épée sacrée? Très bien, je crois que j'ai compris la situation. En fait, je cherche moi aussi un moyen de briser une malédiction. Ah, très bien. Je dis que cette épée sacrée a le pouvoir de conjurer les mauvais sorts. C'est décidé, je vais faire la route avec toi. Je m'appelle Exelo. Ou Exelo. Ok. Enchanté de faire ta connaissance. J'ai toujours dit Exelo en tout cas, mais bon. Attends, tu marches trop vite, beaucoup trop vite. Tu peux ralentir un peu? Ok. Dis donc, gamin, tu peux bien regarder, tu crois que je peux aller aussi vite que toi? Mais c'est pas possible. C'est une vraie tête de mule celui-là. Ah, il s'est mis sur ma tête. Hop, comme ça, je suis sûr de ne pas te perdre en vue. C'est plutôt confortable. Et puis, je me fatiguerai moins. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi de reprendre la route. Ah, au fait, un gamin comme toi, ça va sûrement se poser plein de questions, non? Tu te sens doute. Tu as un doute, appuie sur Select et essaie de t'aider. Très bien. C'est pas que j'en ai vraiment envie, mais bon. Donc, si je fais Select, il m'aide. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'appelles déjà? Le temple de la forêt se trouve quelque part au fond de la forêt. C'est mon sixième sens qui me le dit. Enfin, surtout que le temple de la forêt, en forêt, à mon avis, c'est l'endroit le plus logique pour le trouver. Hein. Mais bon. Écoute, gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Les Minish sont minuscules. Tu ne les trouveras jamais. Grand comme tu es. Tu vois cette souche d'arbre? Elle a l'air tout à fait banale. Eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce qu'on appelle une entrée secrète ou une entrée Minish. Ok? Les humains utilisaient pour changer leur taille autrefois. Grâce à moi, tu pourras devenir aussi petit qu'un Minish si tu montes dessus. Ah, incroyable ça! Tu peux vraiment être petit comme un Minish. Il suffit d'appuyer sur R debout sur la souche pour rétrécir.
Appuie aussi sur R près de la souffle pour devenir grand. Allez, essaye. Bon, on va essayer. R. Hop. Oula, une petite danse. Allez. Et là, il devient tout petit. Incroyable. Il devient Minish. Comme Minish Cap. Et voilà. Link est devenu tout petit. Un petit Minish. Et voilà. Tu vois le monde comme le voient les Minish maintenant. Tu as bien fait de le sauver, non? Alors, inutile de me remercier. Il y a des entrées Minish de différentes formes un peu partout. Cherche bien. Appuie sur R près de la souche quand tu veux pour retrouver ta taille normale. Fais très attention. Les dangers sont plus nombreux quand on est petit. Si ce qui n'était qu'une flaque d'eau se change en un profond marécage. Je n'ai pas envie de finir noyé, alors regarde bien où tu mets les pieds. Donc c'est-à-dire que maintenant tout ce qui est eau, en tout cas quand on traverse, c'est en coule. Même si c'est une petite mare comme celle-ci. Quand on était grand, on marchait dessus, là on coule, c'est ça? Ok, d'accord. Donc on peut plus traverser l'eau pour l'instant. Peut-être plus tard, qui sait. Alors on traverse les trous dans les troncs. Hop, on va nager de nénuphar en nénuphar, vous allez voir. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un village. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Oula. Ah ouais, le monde est tout petit ici. Oula, on a rétréci de 1m50 là. Voire même plus. Waouh, quelle belle ville. Je crois que nous avons trouvé le village des Minish, Sylvestre. Oh, bonjour. Des chapeaux rouges, hein, on me l'avait dit au début, c'était des Minish. Incroyable, les chapeaux rouges. Niamunu. Wow, je comprends rien. Niamunu, sec, Nosyarsat. D'ailleurs, je parle Minish. Sire-toi sel, Rinveverp, toi fli. Non, je veux pas de sel, je veux pas de vipère, je veux pas de lit. Merci, je veux juste trouver une forêt, je veux pas de tout ça. On dirait que ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu un humain. Comment, tu n'as pas compris ce qu'il disait? Remarque, ce n'est pas très étonnant, il parlait la langue des Minish. Enfin, un dialecte. Ah, mon dieu, j'ai pas eu le temps de le dire, désolé. Il doit y avoir quelqu'un qui parle notre langue ici, cherchons bien. Bonjour, est-ce que tu parles ma langue? Sylvutk, non, il parle pas ma langue. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui parle ma langue, s'il vous plaît? Je voudrais parler Minish. Sylvutk, quelqu'un qui pourrait m'apprendre le Minish, je ne sais pas. Quelqu'un qui a fait langue LV3 français? Sylvutk, non, lui, il parle pas non plus français, il parle Minish. Est-ce qu'il y a que des Sylvutk ici et des vipères, des lits, je sais pas quoi? Ah, peut-être ici. Allons voir. Bonjour monsieur. C'est dit à nouveau que ce. Je sais pas quoi. Ok, ce monsieur avec son bâton, en tout cas, ne me connaît pas. Mais l'air d'être le très important dans le village, il a un bâton de grand chef. Je sais pas si c'est un chef ou quoi, je ne sais plus en vrai, d'un coup. Ce que sont les personnages des fois dans le jeu. Tu vois, j'aurais des trous de mémoire, je serais dans le flou total. Bonjour. C'est Duc, je sais pas quoi. Non, c'est pas lui non plus. Y'a pas un monsieur caché quelque part là? Vous êtes baillé. La fatigue qui arrive. Vous-même vous connaissez ça, la fatigue. On l'a tous un jour dans notre vie. Encore du Sidhut. C'est-à-dire quoi Sidhut? On va bien savoir apprendre le Minish. Ah, il y a quelque chose ici. Il y a un palais, on dirait. Oula, un grand palais. C'est peut-être ici. Quelqu'un parle Minish ici. Bon monsieur, vous allez me dire aussi Sidhut vous. Honnête et Ngarté. Oh, purée, non plus. Ah, oh, tu ne serais pas un humain. Ah, il parle français. Je parle un peu ton langue. C'est très longtemps des humains pas venus ici. Je suis Festa le prêtre. Je m'occupe du temple qui se trouve juste derrière. Mais j'imagine que tu peux parler avec les autres Minish. Va dans le maison en forme de tonneau au sud. Tu trouveras un noix blanc. Si tu le manges, tu pourras parler bien la langue des Minish. Merci, le monsieur. Journée bonne à vous, car vous êtes un bon humain. Voilà. Alors que c'est un Minish. Dis ça, c'est un Minish. Ça ne veut rien dire. Ah, quart de cœur numéro 2. Allez, encore 2 et c'est bon. On avance, tout doucement mais sûrement. Le but, c'est de bien progresser. De toute façon, on va faire le 100% tranquillement. On reprendra la noire la semaine prochaine ou bientôt aussi. On continuera la noire et la noire. Puis après, on fera d'autres jeux comme Aladdin, etc. On fera un jeu à la fois. Sylvutk. Ok, bon, pour l'instant, on parle pas de Minish. Mais je crois que c'est ici la bonne route. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, Alex. C'est sûrement la noix bleu. Bon, Feston va parler. Ah, la vla. Dépêche-toi de la vallée.
Vous avez trouvé une noix blabla. La manger vous permettra de communiquer avec les miniches. Ouais, ça y est, je parle miniche maintenant. Ouais. Jean-Michel, je parle miniche. Bon, ben, au moins, on a une nouvelle langue. C'est mieux que parler qu'une seule langue. On en a deux maintenant, on a le français et le miniche. Bon, maintenant qu'on peut parler aux autres habitants, est-ce qu'on peut aller dans les leur faire un coucou ou pas? Ouais, nickel. Alors, il dit quoi, non, ouais. Il y a très longtemps, nos ancêtres ont traversé la porte qui relie les mondes des miniches à celui des humains pour venir s'installer dans cette forêt. Très bien, merci monsieur pour l'information. Et bonne journée à vous. Cœur sur vous, amour sur vous, tout ce que vous voulez. Lui, il dit quoi? Les monstres sont soudainement devenus plus nombreux par ici. Notre prêtre dit qu'il y en a même dans le temple au nord de ce village. Bah, il faudra qu'on aille voir ça, ce temple au nord du village. Qui est peut-être le temple de la forêt d'ailleurs qu'on recherche, n'oubliez pas. Oh la belle maison. Si tu veux réparer ton épée, va voir Melta le forgeron et ses 7 apprentis. Ils vivent dans la montagne pour trouver du métal plus facilement. Tu devrais en parler à l'ancien, il en sait sûrement plus sur eux. À l'ancien, c'est celui avec ses lunettes qu'on a vu tout à l'heure, peut-être. Peut-être que c'est lui, ou je me trompe. Non, je me trompe, je crois que c'est lui l'ancien. C'est lui l'ancien. Ça alors, vous parlez de Minish. Vous êtes les bienvenus, restez autant que vous voudrez. C'est très gentil à vous, mais nous n'avons pas le temps de nous reposer. Je m'appelle Exelo, et lui c'est Alex NCN. Nous voudrons le violer une malédiction dont on a été victime par. Dont a été victime la princesse Zelda, pardon. Mais l'épée Minish a été brisée. Nous venons vous demander donc de la reforger. Je vois, vous voulez donc reforger une nouvelle épée sacrée. Pour cela, vous allez avoir besoin de 4 éléments. Les éléments sont l'essence de force nature de ce monde. L'épée sacrée ne peut être créée que si l'imprégnant de ses énergies. Ok. L'épée imprègne ces 4 énergies, d'accord. Je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments. Incroyable. Il y en a 4, dont un est pas loin de là où on est. L'élémentaire se trouve dans le temple au nord du village. Festa, notre prêtre, vous montrera comment vous y rendre. Mais soyez très prudent, le temple est infesté de monstres depuis peu. Revenez me voir quand vous aurez trouvé l'élémentaire. Merci, monsieur l'ancien du village, je crois. Je crois que c'était lui, d'accord? D'ailleurs, l'ancien, je crois. On va aller voir le chef. On va aller voir le chef, ça y est, on va se rendre dans ce temple qui est au nord du village. Alors, tu veux te rendre au temple? Je t'en prie, c'est par ici. Ah, la musique qu'on aime. Sois très prudent, il était envahi par des monstres. Bon, bah c'est parti, hein, les amis. Rendons-nous dans ce temple. Ah, comment on y va? Par ici. Excusez-moi encore. Bon. Très bien. Bon, c'est ici. Vous êtes prêts, les amis? On va se rendre dans le temple. Mais juste avant, je fais une pause de 2 secondes. Je vais rentrer dans le temple. Ok, bon, je vais faire une pause. Attendez, je vais voir ce qu'il me dit. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. Je n'ai pas peur. Je suis avec toi. Bon, à toi l'honneur. Non, attends. Allons-y plutôt ensemble. Voilà, ça c'est du courage. On y va en équipe. Bon, on va aller faire ce temple, les amis. Je reviens juste dans 2 minutes. Je prends des donuts, je bois une petite goutte parce que j'ai plus rien à boire. Et je reviens dans 2 secondes. Je coupe ma caméra et mon micro. Je reviens. Voilà, re les amis. Re, je suis là, j'ai pas eu pour plus d'une minute. J'étais parti chercher un truc à manger parce que j'avais pas encore mangé depuis avant le live. Depuis 13h. Allez!
Nous allons encore, les amis. Bon, allez, on reprend. On reprend tout doucement. Je sais plus où j'ai mis ma boisson. J'ai récupéré. Allez, là. Bon, re. Mon micro, il était trop fort en vrai. Il me monte bien. Il faut que je regarde. Et puis, je vais y partir, je suis sûr. En le connaissant. Bon, on reprend, les amis. On reprend sur Zelda Wind Waker. Moi, c'est parce que je suis à fond sur Zelda Wind Waker ces derniers jours. Mais on reprend Minish Cap, évidemment. Évidemment, on ne trompe pas du jeu dès maintenant. J'ai confondu deux des meilleurs jeux qui existent de Zelda. Donc, c'est pas très très grave. Allez, on va faire ce temple. Premier temple, avec des larves qui rampent tranquillement au sol. Incroyable. Un petit freeze, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit freeze d'un coup. C'est incroyable. Oh, monsieur Idriss! Comment ça va? Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Comment tu vas, monsieur Idriss? Enchanté, Idriss, j'ai une pub. Salut monsieur Idriss, comment tu vas? Merci pour le host, mon cher Idriss. J'espère que tu vas bien de ton côté et que t'as passé une super journée. Bon, tu n'es pas sur la fin, ne t'inquiète pas, ça fait 2 heures que je suis en live. Mais tu n'es pas sur la fin. Tu es presque un peu moins du deux tiers, peut-être. Il reste encore à peu près 1h10 de live. À peu près, je vais arrêter vers 19h10, 19h15 pour aller manger quand même. Mais ça va, donc tu n'es pas en retard. Mais merci de passer, Idriss. Ok, fin de la pub, c'est moi le Fritz. Ouais, je suis frais. C'est quand tu vas, monsieur Idriss? J'espère que tu vas bien, que tu passes une très belle semaine, en tout cas. Nous, on a fait du GTA un petit peu tout à l'heure. On a fait un peu moins d'1 heure de GTA, et là, on fait du Zelda Minish Cap en seconde partie de live, un peu plus longtemps, bien sûr, que GTA, puisque c'est un let's play, et que c'est un jeu que j'ai envie de finir à 100% en live. Même si j'ai déjà fini à 100%, je devais le finir à 100% en solo, mais il me manquait 2-3 trucs. Alors j'ai dit, je vais le refaire en live, comme ça sera un Zelda en plus que j'aurai fini à 100%. Et ce sera peut-être un des seuls Zelda que je ferai pendant les 6 prochains mois. Donc voilà. Ça super, et toi? Mais ça va super, moi, ça va super. Et puis du coup, là, on fait Zelda tranquillement. Tranquille. Tranquillement, mais sûrement. Incroyable. Bon. J'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée. Attrapez-le en maintenant R enfoncé et tire-la en appuyant sur flèche. Bon, moi, c'est les joysticks. J'étais en mode histoire ou mode online? Non, le mode online, on était sur le casino et après on a arrêté. On a réparé la voiture en live, en ligne, et après on a arrêté. Mais la prochaine fois, j'essaierai de jouer avec Juyun et si Joker il est là, qu'on fera le live, j'essaierai de jouer avec le Joker. Donc, faudra que je vois ça. Ça a changé, j'étais. Hey yo, Rirfen, comment ça va? Ah, puis je suis dans l'eau. Et monsieur Rirfen, comment tu vas, l'ami? Comment tu vas? J'espère que tu as passé une belle journée, mon ami. Sur PS4, j'étais. Sur PS4. Non, là, on joue plus à. Je suis plus sur GTA, je suis sur Zelda Minish Cap. Qu'on commence très très bien, en tout cas, et qu'on avance très bien, tout doucement, mais sûrement. Ah, je suis heureux, t'as bien avancé. Ryuna, j'espère que tu vas toujours bien depuis tout à l'heure. Mais ça va super, on avance, nos premiers donjons. On essaie d'écouter les belles musiques d'OST de ce jeu et on essaie de lire ce qui se dit en tout cas. De nos personnages principaux, en tout cas, je pense, de ce jeu. C'est-à-dire ces personnages qui sont sur ma tête depuis quelques minutes déjà, qui n'a pas nous parlé depuis tout à l'heure. Et avec notre héros Alex CN. Qui va essayer de réparer cette épée qui a été brisée et sauver la princesse Zelda en forme de statue par Vati. Voilà, c'est un peu le résumé de ce qui s'est passé en tout cas. Bien et toi, mais ça va super, Irfan. J'espère que ça se passe bien et que tu as passé une super semaine en tout cas dans sa globalité. Si c'est sur PS4 ou qu'il y a le cross-platform pendant les vacances, je te rejoins sans problème. Ça fait avec plaisir, Idriss. En plus, on est beaucoup à jouer. J'ai beaucoup de personnes qui jouent avec moi à GTA. Même pas en même temps, forcément, mais en parallèle. C'est incroyable de voir tous ces gens qui veulent jouer à GTA sur PS4. Réveillé à 3h de l'après-midi. Ah, du coup, t'as fait une bonne journée de sieste. Ou de repos, même, plutôt, mon cher Rirfen. Mais j'espère que tu vas te réveiller en douceur. J'essaie de pas trop gueuler parce que je gueule fort. J'ai l'impression que quand je suis en live, c'est incroyable. Ma voix, elle est portante. Je fais que parler quand je suis en live, je suis une pipelette. Hein. C'est fou. Hein. Je suis une pipelette en live. Hein. Hello à ceux que j'ai pas vu. Ça va être bien depuis tout à l'heure. Et toi, Alex, mais ça va super, Yuna. Merci de me le demander. Hein. Merci à toi de me le demander. Tu es super gentil, ma chère Yuna.
Zelda qui se retrouve toujours dans des situations pas possibles. On est d'accord, RFN, à chaque fois il lui arrive une couille. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ah, il faut prendre la porte qui est là, d'accord. Ok, poussez-vous, poussez-vous. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Allez faire le ménage là-bas. On dirait qu'ils font le bordel de partout, ces créatures-là. Allez, on va allumer la seconde torche. Ah ouais, donc du coup, faut que je pousse la pierre qui est là, je suppose. Ah bon, bravo, bravo. Il tombe. Il fait n'importe quoi, ce Alex NCN. Hop. Allez, on va brûler ce qui retient le tonneau, je pense. Ah! Il y a eu un bruit, qu'est-ce qui se passe? Allons voir à l'intérieur. Peut-être qu'on va apprendre davantage sur ce qui se passe dans le tonneau. Oula! Le tonneau a bougé là, non? Tu as vu? Le tonneau a bougé. Oui, j'ai vu, ben, peut-être qu'il peut tourner maintenant. Incroyable! On peut enfin tourner avec le tonneau. Hop, allez, on va passer par ici. Alors, on va aller voir la prochaine salle. Qu'est-ce que c'est? Ah, une créature qu'on peut pas tuer, je parie. Ah, si, on peut la tuer, celle-là. Très bien. Je crois que c'était la même créature que tout à l'heure, mais en plus petite. Mais celle-là, on peut la tuer. Ça tourne. T'as vu, incroyable. Le tonneau qui tourne tout seul. C'est juste incroyable. C'est magnifique, même, je dirais. Ah, un coffre. Qu'est-ce que ça va être? Si c'est comme dans les autres Zelda, c'est peut-être. Les cartes. La carte du donjon. Consultez-la à l'écran de carte. Les endroits en bleu sont ceux que vous avez déjà visités. L'endroit qui clignote est celui où vous êtes quand vous consultez la carte. Sélectionnez l'étage avec haut et bas sur la manette. Très bien, merci pour le conseil. En tout cas, je suis mieux avancé que tout à l'heure. Et je vais pouvoir me rendre à l'étage à côté, c'est-à-dire ici. Ah, j'ai lâché trop vite. Allez, go! Ok, on va pouvoir libérer le passage qui est là, du coup. Du coup, apparemment, il y a un truc à récupérer ici, un quart de cœur, je sais pas comment on va le récupérer, mais on verra après. Alors demain, je ferai des coupures de son, peut-être des coupures cam pour manger mon donuts, enfin mes donuts, parce que j'en ai plusieurs à manger. Pour pas manger en live. J'aime pas trop manger en live de base. Il faudrait trouver quelque chose à poser sur cette dalle. Ah bah peut-être ça là, regardez. On va le pousser tout doucement, on va pas le casser. Et peut-être que ça va nous délibérer un secret, je sais pas. Très bien, ça nous libère le pont qui vise ici et je pense qu'on peut repartir par là après. Très bien. Ok, si vous voulez tester pour être sûr. Alors ici, il faut bouger toutes les dalles, c'est ça? Je vais t'apprendre un truc important. Tu peux déplacer certains objets. Attrape-les avec R et tire ou pousse avec la manette. Ok, très bien. Alors je vais voir s'il n'y a pas un moyen de passer par ici pour récupérer ce qui a l'air d'être un coffre à libérer plus tard, je pense. Ah si, peut-être qu'il faut que je le fasse de l'intérieur. Ok, il faut que je le fasse de l'intérieur, très bien. Alors, du coup, faut que je le fasse de l'intérieur, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Hop, on va libérer le coffre. Allez, on ouvre le coffre, vous avez trouvé une petite clé, elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes fermées à clé et les blocs munis d'une serrure. Très bien. Si, manger en live, impose ton style. Ouais, non, je préfère pas que vous entendiez les bruits de. Si jamais ça s'entend des bruits de. Avec le micro, si on entend les bruits de quand je mâche, etc. Je trouve que ça fait. Peut-être pour vous, ça doit peut-être pas forcément agréable, je pense. Je pense surtout qu'il y en a peut-être qui veulent écouter le jeu en lurk, etc. Et d'un coup, si on entend de. Ah, vous dire, bon, celui-ci, il mange en plein live, incroyable. Quel gourmand. Il pense qu'à manger. Il pense pas à nous. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué par ici en vrai? J'ai pas compris. On a débloqué un truc important ou c'est moi qui est en train de rêver là? Ok, ici il y a une porte. Je l'ai déjà fait en live sans respect. Ah! Donc, du coup, toi, rire fan, tu me dirais, bon, si tu dois manger en live, il n'y a pas de souci, fais-le, c'est ça? N'importe quoi. Bon, écoutez, hein, je vais manger mon petit donut. Alors, attendez, hop. Mon live, voilà. Je sais pas trop. En plus, je tombe dans l'eau. Incroyable. On va essayer de lâcher ici. Hop. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ouais. Un raccourci pour juste aller plus loin. Alors, on tire sur le deuxième champ, pipi. Incroyable. On va passer de l'autre côté de notre seau. Désolé si tout souvent. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté?
des petites limaces, toutes dégueulasses, qui ont laissé des traces sur le sol. Nous avons plusieurs choses à libérer. On dirait ici, il y a plusieurs totems. Ah, d'accord. Très bien. Alors, comment je vais faire ça, moi? Comment je fais ça? Alors, attends, il faut que je réfléchisse. Il faut que mon cerveau réfléchisse. Ah, bah, facile. Voilà, comme ça. Je fais ça. Il pousse l'autre de l'autre côté. Voilà, comme ça, ça pourrait libérer la porte. Ainsi que activer le bouton. Très bien. Et on peut y passer, en plus. Ok. Oula, les créatures. Bon, ça a l'air d'être pas compliqué pour l'instant. Les créatures sont assez simples. Hein, c'est le début du jeu. C'est juste frapper, frapper, frapper. Voilà. Il n'y a pas d'esquive à faire, rien du tout. Nous avons une clé, incroyable. Mais trouver une petite clé. Elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes. Ouais, bon, c'est, on l'a vu tout à l'heure. Mais il était tard, donc rien à cirer. Ah ouais, d'accord. Du coup, je l'ai mangé, mais pas trop tard. Ah mince, désolé. Bon, c'est pas très grave. Hein. J'y ai resté plus. Est-ce que ça? Du donut. Bon. Parce qu'il n'y a pas de tout ça en ce moment, en plus. C'est ça qui m'embête le plus pour vous en live. Mais bon, bientôt, ça va se calmer, je pense. Hein. C'est passager. Hein. Quand je tousse, ça dure une semaine, pas maximum. Là, ça va faire une semaine que je tousse. Le toit est guéri. Bon. Comment on active cette porte? Ah, d'accord. Donc pour l'instant, je crois que je peux pas. C'est ça? Est-ce que je peux les tuer, les créatures, avec ça? Ah, très bien, on va essayer de les tuer avec ça, tiens. On va essayer de tous les tuer, les créatures qui sont dans la salle, pour voir si ça débloque pas un passage secret, etc. Hop! Il y en a trop, il y en a trop. On pourra pas tous les tuer, il n'y a pas assez de peau. On a dit que c'est trop tard. Ah! La clé, elle est pour cette porte-là. Alors, attends, faut que je me retrouve, parce que c'est un labyrinthe, c'est incroyable. Ok, voilà, ici, en premier. Oula, une chenille! Bon, je sais comment on la tue, évidemment. Faut juste esquiver et frapper son cul. C'est un peu vrai, hein, faut frapper son cul pour lui faire du mal. Hop! Vite! Ah! Prends vite trop de dégâts. Faut que j'esquive tout ça. Allez, donuts, c'est trop bon. Et en plus, j'étais faire les courses à l'heure avant de faire le live, alors j'ai pu acheter des donuts. J'étais tout content quand j'étais les acheter. Voilà, on a détruit le sous-boss peut-être. Je sais pas si c'est un sous-boss d'ailleurs. J'ai eu... Vous avez trouvé le pot magique. Assignez-le à A ou B dans l'écran d'inventaire. Gardez le bouton foncé pour aspirer, relâchez-le pour souffler de l'air. Incroyable, nous allons faire du Luigi Mansion. Vous imaginez les amis, nous allons prendre le même rôle que Luigi's Mansion, nous allons aspirer les murs. Regardez, je l'assigne à la place de mon bouclier du coup. Hop. Allez, on aspire tout ça. Hop, c'est bon, on a débloqué le nouvel gadget, pardon, dans l'inventaire, c'est l'aspirocanon. Moi qui est fan de Ratchet & Clank, j'ai toujours l'aspirocanon quand je vois cette arme. Donc, du coup, on est obligé de passer par une des portes. Donc là, à mon avis, c'est sûrement le quart de cœur de tout à l'heure. Voilà, il s'est bien repéré dans une salle, donc c'est vrai que c'était ici, du coup. Donc on sait jamais, il y a des trucs à récupérer. Link qui fait le ménage, t'as vu? Link, c'est devenu une femme de ménage. Incroyable. Bon, on va prendre cette porte là maintenant. Alors peut-être qu'il y a des boutons à activer ici, je ne sais pas. On va faire le ménage aussi ici. Le but c'est vraiment que je loupe rien, quoi. Je prends le maximum de choses, quoi, qu'on visite tranquillement, on a le temps. Regardez, comme je vous disais, qu'il y a des choses à faire. C'était pas une connerie, hein. Par contre, là je pense que c'est mort pour celui-là. Allez, on va essayer de revenir dans la salle tranquillement. Je vais être sale, on va revenir ici pour activer le second coffre. Donc là, ça ferme pas, non. Ok. Donc on a vu qu'il y avait aussi autre chose ici à activer. Donc il est où? Il est là, ok, très bien. On va activer ce côté-là maintenant. Un second coffre. Donc vous avez 10 coquillages surprise. Encore des coquillages surprise. On voit bien à quoi ça sert d'ailleurs. À quoi vont servir ces coquillages surprise? Hop. Alors on peut les détruire, ces créatures maintenant. Ouais, yes. Yes, ces créatures peuvent être détruites maintenant. Très bien. Hop. On va essayer de tous les tuer pour voir s'il n'y a pas un passage secret à délivrer. Si on les tue tous, si on s'est activé un coffre, je sais pas.
Donc pas du tout. Ah, comment on l'a ce quart de cœur là du coup? Je me pose la question, tiens. Bon, on verra plus tard. On verra plus tard, on a le temps de visiter les lieux. Là, on va aller voir peut-être à droite si on n'a pas loupé des choses tout à l'heure avec l'aspirocanon. Est-ce que vous vous rappelez si on avait loupé des choses, les amis, avec l'aspirocanon? C'est à ceux qui étaient là, les autres qui ont suivi. On avait loupé des choses vers le bas ou... Bon, je vais aller voir. Je vais aller voir, on a le temps. Nous sommes pas pressés. En fait, c'est le son du jeu qui est bas. Ah, le son du jeu est bas. Ah bah, il fallait me le dire, les amis, j'aurais monté plus fort. Voilà, le son du jeu il est plus, il est mieux là, je pense, Rire Fan, non? N'hésitez pas à me le dire hein, si le son du jeu est trop bas, etc. Que je varie ça. Y a pas de souci, hein, si vous me dites le son du jeu est trop bas, je le monte. C'est aussi facile que ça. Ok, on va repasser cette porte. Alors du coup, c'était pas du tout comme ça que j'aurais dû le faire. Bon, c'est pas très grave, on va recommencer. On va tout pousser de 1. On va tout décaler de 1 plutôt. Et on va essayer de délivrer ce passage magnifique. Magnifico. Allez. Hop. Voilà. On a libéré. Maintenant, est-ce que nous avons... D'accord, on revient ici. On a fait ça pour rien. J'ai l'impression que je fais du tour en rond pour rien. Je retourne au même endroit que tout à l'heure. Et puis tout à l'heure. Ah, moi je trouvais que ça allait, mais j'ai mis à fond, ça explique. Ah, d'accord. Yep, c'est un peu mieux. Merci pour vos conseils, les amis. Enfin, parce que tu vois, je savais pas si le son était trop fort ou pas. Mais merci encore. C'est à toi aussi, Rirefen, du coup. Hop. Hop. Ok, ici, il y a un truc à activer. Allez, on récupère encore des coquillages, mais c'est magnifique. C'est le lieu de récompense ici. Il y a des coquillages de partout. Bon, allez voir ce qu'il y a en bas. Ok, il y a un coffre. Bon, on sait qu'il y a un coffre. Hop, on sait qu'il y a un truc à activer ici. Ok, on fait le tour, on prend des rubis. On a pas mal de rubis, donc on commence à en avoir pas mal. Peut-être pour commencer à aller faire des achats sur le net. Ok, bon, pour l'instant, je peux pas aller ici. Ah, peut-être si, peut-être en faisant ça. Très bien, j'ai bien fait d'avoir fait ça. Et nous avons la boussole. Elle vous révèle l'emplacement des coffres et de l'antre du boss. Consultez la carte en appuyant Start puis L ou R. Ok, on va pouvoir peut-être bientôt à visiter l'antre du boss. Peut-être. Qui sait? On verra plus tard. Bon. On va aller où maintenant? On va aller par là. Alors du coup, on doit aller où? On doit retourner dans la salle du tonneau, je crois. Ah mon Dieu, je prends des dégâts de partout. C'est pas très grave, ils font pas très 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 fort dans les dégâts, ils sont pas très très méchants non plus. Attendez, on va passer par là. Ah! Ok, on va par là. Ah, non, il veut pas. Il veut pas aller par là. Si, il va aller par là. Non. Comment je fais par là, moi? Mince! Comment je fais par là? Ouh! Il est tombé dans l'eau. Incroyable, où je suis. Ok, il y a un grand nénuphar à récupérer. Nous voilà bien empêtés. Il faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau si on veut continuer. Bah, il y a un nénuphar là, donc du coup, on va utiliser le canon, je pense, pour faire un vaisseau marin. On va pouvoir se déplacer en mer, incroyable. Link est devenu un pirate, regardez. Il s'est fait un radeau tel un marin qui est perdu en mer. Donc du coup on va aller voir par là, du coup c'est le coffre que j'ai délivré tout à l'heure je crois. Donc on va aller voir par là en premier. Un peu du tout, c'est pas par là en premier, fallait aller par là, excusez-moi. My bad, mon erreur. Ok. Alors du coup on va aller voir ici en premier, on va monter sur cette plateforme. Ah, il faut que je fasse le tour, très bien. Faut que je fasse le tour, il fallait me le dire avant le jeu parce que là du coup je dois perdre du temps. Ok. Ça active quoi? Ah d'accord, très bien, je vais devoir essayer de faire une plateforme pour le réactiver, d'accord. Pour essayer de regagner des cœurs, des pièces peut-être, voilà, des rubis, pardon. Hop, on garde juste un seul pour activer, voilà, pour le mettre ici et faire un interrupteur avec de quoi l'enclencher, incroyable. Allez, on va essayer de passer par là. Incroyable. Hop! Là, on fait un bon petit saut là. Du coup, on va récupérer la petite clé, je pense. C'est le coffre de tout à l'heure. C'était une petite clé. Puisqu'on a fait le tour.
Hello! Incroyable, monsieur James Sachs, comment tu vas, l'ami? Comment qu'il va, celui-ci? J'espère qu'il va le bien et qu'il a passé une très bonne semaine. Ça fait plaisir de te voir, James Sachs, parmi nous. Ça fait toujours plaisir quand je te vois. Mon cœur, il est tout content. Comment tu vas, James Sachs? Comment tu vas, mon cher ami? Je me perdrais tellement l'infini dans ce genre de jeu. Ouais, t'imagines, le premier donjon encore. Nous on dit ça va, c'est le premier, mais au fur et à mesure, quand t'as tel ami labyrinthe, ils s'en foutent, des fois t'as des donjons qui sont peut-être compliqués, pas forcément dans Zelda là, dans tous les Zelda je parle. Les donjons, il y a 60 000 portes, 60 000 coffres, tu dois revenir en arrière parce qu'il y a un truc que t'as débloqué très loin en arrière, etc. Donc des fois c'est pas très facile, c'est un peu compliqué. Et je l'avoue, hein, RFM. Je l'avoue qu'il faut vraiment tenir le coup des fois. En tout cas, j'espère que tu vas bien, James Sachs. Merci d'être là, mon ami. Ça fait plaisir de te voir. J'arrive déjà à me perdre dans une intersection, alors imagine, mais j'imagine bien, Rirfen, comment ça doit être pour toi très dur l'orientation. Allez! Hop! On avance trop progressivement. C'est très très long pour avancer, mais au moins on avance tout, sûrement. D'ailleurs, j'ai perdu un cœur, je l'ai même pas perdu sur mon affichage, regardez. Je viens de perdre un demi. Un... J'ai tombé dans l'eau, j'ai pas perdu de cœur. C'est bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? J'ai obtenu la grande clé. Elle permet d'ouvrir la porte de l'antre du boss. Très bien, on va pouvoir affronter le boss, ça y est. Oh! Holy shit! Incroyable, on a découvert un téléporteur. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on a encore deux chemins à aller voir, incroyable. Donc, quel chemin nous allons faire en premier? On va faire celui de gauche. J'arrive déjà à me perdre dans une intersection, alors imagine. Ah ouais, bah ça va pas être évident. Oula! Quel est ce bazar? Alors attendez, est-ce que c'est la salle du boss? Moi j'essaie d'aller voir l'autre salle pour voir si c'est pas la salle du quart de cœur qui nous manque. Rappelez-vous, il manque un quart de cœur dans un endroit inaccessible. J'espère que c'est ici qu'on pourra y aller. Je l'espère. Après, je ne suis sûr de rien. Ah, ça a pas l'air d'être là. Hein. Bon, tant pis. On verra après comment récupérer ce quart de cœur. De toute façon, il me le faut, je fais le 100%. Donc, il me le faut dans tous les cas. T'es dans la salle d'à côté. Je ne sais pas. On arrive au boss en plus là. Ah bah. Enfin, on n'a pas eu notre quart de cœur du coup. On va peut-être louper un chemin, je ne sais pas. On ira récupérer plus tard. Comment ça va? Mais ça, super, James Sack, c'est toi, comment tu vas? Comment s'est passée ta semaine? C'est ça le plus important. J'espère que t'as passé une très bonne semaine. On ira récupérer le quart de cœur juste après, les amis. On retournera dans le donjon rapidement. J'ai loupé le quart de cœur, je croyais qu'on allait avoir une salle supplémentaire pour. Tu vois, où on n'a rien moyen d'accéder au quart de cœur, mais bon. J'y rêvais. Oula! Oulala, qu'est-ce que c'est que ce machin? Incroyable! Un bloc géant! Ah, il m'a écrabouillé! T'as un sandwich que t'écrabouilles quand tu mets dans ton sac le matin pour aller manger le midi. Oula! Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Allez! Il va mettre tout sa tête. Sa tête, elle est par là. Allez! Il faut qu'on le frappe plusieurs fois comme ça. Voilà, c'est facile, il va sauter plusieurs fois. Il va ressauter peut-être. Mais il va pas ressauter de suite. Je pense qu'il va ressauter un peu plus tard. Allez, il faut qu'on le détruise de son pied. Voilà. Allez, c'est le premier boss. On va y arriver. Si, c'est parce qu'il marquait GT en première partie, plus Zelda Minish Cap. Mais c'est vrai que j'ai pas changé le jeu du coup, non. J'ai juste laissé ça. Parce que comme j'ai joué à GTA tout à l'heure, j'ai fait GTA plus ça. J'avoue que j'ai pas mis le jeu en entier du coup. Merci de m'avoir indiqué quand même, Rirfen, parce que du coup, je me demande si je le change pas complètement malgré tout. Et on a battu le premier boss. Incroyable, les amis. Nous avons battu la créature blob géante. Le premier boss de Zelda Minish Cap en live. Ça rame un peu et je m'inquiète. J'espère que c'est un problème de connexion.
Non, ça doit être de ton côté en 8e sexe. Parce que j'ai pas de bug. Ah oui, ça. T'as des problèmes de connexion, toi. D'accord. C'est toi qui as les problèmes. Non, j'ai pas de bug depuis tout à l'heure. Ah bah j'espère que ça ira, ouais, Odium Sax. Allez, on récupère un restable de cœur. Un restable de cœur, votre énergie vitale augmente. Un réceptacle en plus, ça c'est magnifique, hein, les amis. On va pouvoir commencer à avoir plus de vie, plus résistant pour les créatures qui nous affronteront plus tard. Et en plus, nous allons retourner dans ce donjon qu'on vient juste de faire pour récupérer un quart de cœur qui nous manque. Elle a envie de prévenir l'ancien, qu'on a trouvé l'élémentaire. Non, avant on va aller chercher le quart de cœur qui nous manque. Je suis désolé les amis, et vous me connaissez, je ne partirai pas sans avoir récupéré l'intégralité des quarts de cœur. Les coffres, encore je m'en fous, mais les quarts de cœur... Allez, vous faites qu'on aille récupérer ce quart de cœur manquant là. Alors il était où le quart de cœur déjà? Oui, on l'avait vu la dernière fois. Attendez, du coup il va être affiché sur la carte. Ok, il y a un coffre au milieu de la salle. Incroyable, faut que j'aille voir ça, il y a un coffre au milieu de la salle. Donc on va aller voir ce que c'est ce coffre. Allez, c'est parti. Hop. Ah, j'ai pas l'épée. Ah si, j'ai l'épée, incroyable, j'ai eu peur là. Allez, on va y arriver. Coucou tout le monde, fais attention à ton image de jeu, il faut un peu la chasse à ça en ce moment. Et salut monsieur Sherkan, comment tu vas? J'espère que tu as passé une belle semaine. Mais il n'y a pas de souci, merci de me le dire, monsieur Sherkan. Bon, on joue très peu, hein. Zelda, ouais, ouais. Mais de toute façon, là, je vais peut-être me trouver aussi les nécessaires pour tout ça. Justement. Bon, par contre, le tonneau, il est pas l'endroit. Alors, ça pue la merde. Le tonneau, il est pas l'endroit. Comment on fait, moi? Ah, ouais, le tonneau, il est pas l'endroit. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Ah, si je peux peut-être passer autre part, non? Bah, je peux passer nulle part, le tonneau il part à l'endroit, je fais comment? Incroyable, je sais pas comment je vais faire du coup. Non, je veux dire l'image à côté de ton titre de jeu. L'image à côté de mon titre de jeu? Ah, tu es dans la partie GTA. Ah oui, Ah oui, d'accord. Tu veux dire les catégories? Ah oui, d'accord, les catégories. Merci, Sherkan, ouais, pour la catégorie. Du coup, je vais changer la catégorie. Excuse-moi, c'est vrai que. Du coup, c'est rétro. Je sais plus si c'est comme ça. La catégorie a été modifiée pour rétro. C'est ça, hein, je pense que Sherkan, tu me parlais, hein, si je me trompe pas. Mais merci. Hein. Merci encore, monsieur Sherkan. Et amour sur toi. Merci pour l'indication. J'espère que tu vas bien, en tout cas, Sherkan, de ton côté. J'espère que tu as passé une très très belle semaine. Moi, je sais que j'ai vu que tu étais malade. Tu avais averti. Ouais, mon malade comme un chien, Gribois. Voilà. Je l'avais pas vu tomber ça. Ouais. Donc, t'es encore malade, du coup. Moi, ça, la gorge touche un petit peu de temps en temps, mais voilà, on fait avec. Hein, écoutez, hein, on est tous humains, on va tous se soigner un jour ou l'autre. C'est ça qu'il faut se dire. Mais j'ai quand même fait un petit achat ce matin. Et j'avais quelques zéros à dépenser. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai pu voir rapidement tous tes petits achats, Sherkan. Incroyable. C'est vraiment cool que tu as pu faire d'aussi beaux achats. J'ai pas vu la liste entière, mais j'ai vu un ou deux jeux. Parce que j'ai vraiment peu le temps pour moi-même aujourd'hui. J'ai fait que survoler les choses. Il faudra que je regarde un petit peu mieux en détail ce soir ta petite liste. Mais oui, je l'avais vu, Sherkan, la petite liste. Et merci, excuse-moi, j'aime ça. Merci pour le saut pour Rirfen. Hein. C'est vrai que n'hésitez pas à aller voir Rirfen qui fait des lives sur Simping Dog en ce moment. Il joue à Simping Dog. J'étais voir quelques lives sur ce jeu magnifique. Et du coup, je crois que j'ai niqué un quart de cœur, hein, voilà. Si je me trompe pas, j'ai niqué un quart de cœur. Je peux pas faire le 100%. Bon, vous savez quoi, on ira voir la prochaine fois, au prochain live, j'essaie de me renseigner pour voir sur ce quart de cœur-là si je l'ai niqué ou pas. Parce que je peux plus le récupérer, du coup, ce quart de cœur. Ah non, j'espère que je peux le récupérer quand même, parce que ce serait dommage. Merci en tout cas pour les indications. Et t'as acheté quoi?
PS2 fat avec câble plus une manette plus deux cartes mémoire plus 17 jeux pour 20 € mais wow. Ça c'est pas une affaire incroyable. Ça c'est pas une affaire franchement c'est juste incroyable. Allez on parle à l'ancien du village. Tu as trouvé le fragmentaire pour l'élémentaire pardon. Pour ton âge tu fais preuve d'une force et d'un courage remarquable. Pour trouver le prochain élément il faut pardon te rendre au mont Gongol. Là-bas, tu rencontreras Melta. C'est le seul Minish capable de réparer des épées. Il pourra sûrement reforger l'épée Minish avec ses restes. Je vais les prévenir personnellement. Tu peux partir l'esprit tranquille. Et il va m'ouvrir un passage derrière les volets, je parie. Bon, c'est pas trop du spoil parce qu'il vient de le dire. Passe par ici, c'est un raccourci pour sortir de la forêt. Merci pour tout, l'ancien. Allez, Alexen, en route pour le mont Gongol. Gongol. Je sais pas comment on dit, le Gongowol, Gongowol, je sais pas quoi. Allez, on a fini, on se barre, on se rend à la sortie de la forêt. Bon, il manquera aller chercher un quart de cœur, je suis désolé de l'avoir loupé. Alors justement, on va aller fouiller cette petite cabane, juste ici, le mont Gogol. En tout cas, c'est une bonne affaire pour tout ce petit lot là. Une tunique verte et un drôle de chapeau. Tu ne serais pas Alexen, l'humain qui a trouvé l'élémentaire? Ouais, t'es sûr, j'ai entendu parler de toi. Je suis Belta, un inventeur. Je fabrique des outils en tout genre. Ça doit être dur de retourner en ville avec ces débris qui bloquent la route. Tiens, je t'offre une de mes créations, ça t'aidera à te frayer un chemin. Non, dis-moi pas que c'est lui qui offre les bombes. Incroyable. Un sac de bombes. Il contient 10 bombes, utilisées pour faire tout sauter. On va pouvoir faire le mode kamikaze, les amis, on va pouvoir tout détruire. Je prépare un colis conséquent que je vais envoyer à quelqu'un avec des items de jeu, vidéo endommagés, console, manette, pour réparation, nettoyage et tout contre rémunération. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup de faire ça en vrai. Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant de le faire. Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon, on a encore une petite 50 minutes de live, peut-être un peu à retarder, comme ça j'aurais fait un gros bon live. Je vais pas vous mentir, ça me fera plaisir de faire un bon gros live d'un coup. Comme ça j'aurais fait un bon gros live aujourd'hui, sachant qu'après je vais devoir aller manger de toute façon dans tous les cas. Comme Google, oui, mais O au lieu de OU tu prononces ON. Donc c'est Google. Mon Google. Ok, mon Google. Tu es le du vent, t'accompagne, porteur de la force sacrée. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a explosé. Gamin, regarde là. À l'endroit où il y avait la stèle. Tu vois ce drôle de symbole sur le sol? Eh bien, je vais te dire un truc de ce symbole. Ouais, ok. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ah bah. Bah, merci. Merci de servir à rien sur ce moment-là. À part me casser les couilles. Il m'a dit de la merde, mais. Incroyable. GG le level up. Alors, du coup. On va se rendre maintenant à la sortie de cette grotte. Parce que. Enfin, de cette grotte. De ce chemin un peu long, hein, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que je le dis. Donc, mon Google. Mon Google. Ok. Merci encore, Luna, pour l'indication. Ok. On est ressorti, enfin. Ouais. De retour sur les plaines. Ah, incroyable. Pfff. Cette belle musique. Allez, on va se faire un peu de rubis. On va savoir ce qu'il y a au-dessus pour voir si c'est pas un passage secret à libérer. Parce que des fois, les passages secrets, on les loupe de suite. Et après, on doit tout recommencer le chemin pour le redécouvrir. Ce serait un peu chiant que ça nous arrive à nous, mais bon, on sait jamais. Oula, ici il faut une bombe. Allez, on va utiliser la bombe ici du coup. Oh là. Chemin. Ok, on va aller voir le petit chemin qui est là. Avec un coffre. Ok. Qu'est-ce que c'est ce coffre? Encore du coquillage surprise, mais c'est vrai, on a que ça depuis le début du jeu. T'es pas nous donné, je sais pas... Des rubis, des quarts de cœur, non, ils me donnent des coquillages surprises. On croirait que c'est Kinder Surprise version Zelda ici. C'est incroyable. Alors, du coup, on va se rendre plus bas. Voilà. Ah, ici, il y a le visiteur en mini. Donc, on va aller voir ça de suite. Donc là, c'était le chemin qu'on devait prendre tout à l'heure, d'accord. Allez, on fouille le logement qui est là et on avance. Vous avez vu quand on revient au mini, tout revient à zéro, regardez, on peut plus passer du coup là. Tout ce qu'on a dératisé là, enfin tout ce qu'on a désherbé, c'est revenu à zéro. T'inquiète, si tu le demandes, je les connais tous, presque. Surprise!
Regarde un peu ce fragment. T'en avais déjà vu un comme ça? Quoi? T'avais jamais vu de fragment? Reviens voir si t'en trouves. Ok. Bon, on va chercher les fragments. Ouais. Dès qu'on a un fragment, on ira le voir, le monsieur. Il va peut-être nous donner un astuce sur les fragments, je sais pas. Bon, on va essayer de découvrir des fragments. Peut-être qu'on en aura un peu plus loin. On va monter au-dessus. Ok. Alors ici, comment on les tue? Ah, je sais comment on les tue. J'ai eu l'idée directe. Hop, et le deuxième veut le tuer avec le premier. Voilà, je suis bien visé, vous avez vu. Hop. Bon. Ah, on a récupéré des bombes, ça c'est incroyable. Ces belles petites bombes, on va pouvoir faire tout sauter maintenant. Hop. Hop. Allez, on monte au-dessus. On va mettre une bombe ici. Hop. Alors, on va attendre que les tops ils sortent de sol. Hop. Voilà, tous les rubis qui tombent. Ça pue des rubis ici. Hop. Mais sans... Mais même sans devenir mini, il te suffit de passer sur un autre carré de map et revenir sur celui d'avant, tous les arbres réapparaissent. Ça n'a pas de lien avec la transformation en mini. Ouais, mais c'est quand ça revient à zéro, la map, en vrai, quand ils refont une réinitialisation de la map. C'est ça. Ok, nous sommes revenus ici, du coup. Et cette fois, on va pouvoir passer par le chemin de gauche. Je ne me trompe pas. Oh, ils ont bloqué ici, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi ils font des travaux ici? Je suis Muto, maître charpentier de le roi m'a chargé de réparer la ville. On est en plein boulot, petit gars, tu pourrais te blesser du balai. Putain, il va passer son temps à réparer chaque partie de la ville quand on a besoin d'aller à un endroit, c'est incroyable. Oh, bah là, à gauche, hein, tant pis. Hein. On retourne au plein d'Hyrule. Voilà. Tout ça, pour retourner au plein d'Hyrule. Bah bravo. Oui aussi. Ouais, voilà, c'est une réinitialisation de la map, du coup, c'est un peu normal, je pense, que ce soit en mini ou... C'est histoire que voilà, qu'on puisse farmer, enfin, c'est un peu pour ça, je pense, c'est ça. Pour que les créatures réapparaissent, que ce soit pas à l'infini. Faire respawn les créatures, ils sont obligés de faire ça, hein, une réinitialisation de la map. Allez, on va tuer ces petites créatures là qui tirent des boules. Je sais plus qu'on appelle ça, des. Je dis plus le nom. Je n'en ai même plus en tête là. Hop, 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 encore des coquillages, vous avez vu les amis? On va être blindé de coquillages, hein, bientôt. Mais on va pouvoir faire un marché coquillage. Ah, ici un chemin. Très bien. Bon, là, on reconnaît, on est au début du jeu. Là, on avait vu Monsieur Smith. La maison, elle est juste là, regardez. Le mec, il déterre les panneaux. Ah là, il est GG. Ah, c'est vrai. Tu achètes pas des BZ Terre Carreau, il est sympathique. Ben. Pour l'instant, j'ai pas je vais pas acheter les nouveaux jeux qui sortent, je pense que je vais acheter plutôt des vieux jeux. Je suis ma période ancien jeu pour l'instant. Mais il y a plein de nouveaux jeux que j'ai envie de m'acheter, de toute façon, il y a trop. Il y a même Fallen Order, il y a celui-là, il y a Fairy Tail, il y a FF7 Remake, il y a trop de jeux que j'ai envie de faire. Ouais, c'est incroyable le nombre de jeux que je dois encore acheter. Et c'est vrai qu'il est intéressant, hein, Kakaro. Est-ce que c'est la version qui a été reprise de la PS1 ou pas, cher Khan, tu sais, t'en sais rien. Bon, on va donner note, hein, les amis, désolé. Comme un flic américain. Qui a la gueule. On dirait rien pour les mains. Faut pas que ça aille les manettes, toi, j'aime pas. Et oui, ma chambre. Du coup, on revient à la maison. Salut Smith. Tiens, on va lui parler, tiens, voir ce qu'il va nous dire. Alors Alex, la forme, si tu es fatigué, monte-toi reposer à l'étage. J'ai beaucoup de travail, les soldats ont toujours besoin de nouvelles épées. Surtout en ce moment avec tous ces monstres. Tu vas pouvoir aider plus que ça, courage, il faut que tu sois Zelda. Partage tes donuts. J'en ai pas assez. Si on aurait pris un lot de 15, j'aurais pu partager. Il n'y en a que 4. Puis il m'en reste 2, vous partagez les deux derniers entre vous, après vous débrouillez. C'est la bataille. Alors, du coup, maintenant il faut aller où? Il faut qu'on aille un petit peu faire le tour des lieux pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à visiter. Le but c'est qu'on visite au maximum, qu'on loupe rien, quoi, qu'on essaie d'avoir le maximum d'informations. Ah, ici on peut pas y aller, ok, très bien. Il y a pas un corbeau qui nous fait chier, quand on arrive, il y a un corbeau, il nous attaque tel un vautour.
Ah, on est retourné à la cité d'Hyrule, enfin! Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oulala, une parade! Approchez, approchez! Venez essayer les fragments du bonheur! Ah, le premier, c'est le premier à parler des fragments du bonheur, lui, du coup. Oui, bonjour, monsieur. 5 fricadelles, s'il vous plaît. Trouvez ceux qui vont de pair, emboîtez-les et la chance vous sourit. Distribution gratuite de 5 à bonheur pour ranger aux fragments. Le bonheur est à portée de tous, ne ratez pas cette occasion unique. Tu en veux toi aussi? C'est gratuit pour les enfants. Et hop, un sac de bonheur pour le jeune homme. Ah, ça y est, on a enfin ce que je voulais avoir. Le sac à bonheur. C'est une des plus grosses parties du 100%, ça va être ce sac à bonheur, de toute façon. On va devoir faire des fragments avec des personnes, vous allez voir. C'est incroyable. Ça vous permettra de ranger vos fragments du bonheur. Vous pouvez vérifier son contenu en le sélectionnant à l'écran statut quête. Bon, on va pas trop en dire pour l'instant, on va laisser le suspense pour ceux qui connaissent pas le jeu. On dit que ça porte bonheur d'emboîter deux fragments. C'est ce qu'on appelle un assemblage. J'ai glissé un fragment dans ton sac. Tu peux essayer avec moi si tu veux. Je parie que ça va s'assembler comme deux gouttes d'eau, on va voir. Tu peux repérer les gens qui ont des fragments à la bulle au-dessus d'eux. Il te suffit d'appuyer sur L pour proposer un assemblage. Choisis un fragment avec la manette et emboîte-le avec... Oh, ok. Oui, j'ai compris, monsieur. Alors, essaye un assemblage avec moi, appuie sur L face à moi. Ah, il va m'expliquer comment est-ce que ça fait. Ah, bizarrement, on essaie avec lui le seul fragment que j'ai, ça marche. Incroyable. Mais ça, si c'est pas lui qui l'a cassé 10 secondes avant, il a dit tiens, on va faire semblant que ça marche à tous les coups. Hein. C'est le mec qui a dit tiens, il fait des fragments de bonheur, il va le casser 10 secondes avant, il va prendre un marteau, il va le casser, il va te faire un puzzle, il va le rassembler, arrête. Ça marche du premier coup, c'est bizarre, hein. Waouh. Oh, les deux fragments sont assemblés, la chance va peut-être nous s'ouvrir. Tu vas gagner un haut ce soir en jouant au banco. Non mais c'est marrant. Quand on les emboîte, on apporte du bonheur, je vois. Bah c'est ça à peu près, en vrai. Quand tu t'emboîtes, il va te voir une récompense t'arriver. C'est intéressant. Ah, en plus on connaît ce lieu, on vient d'y aller il y a pas longtemps. C'est vraiment une porte bonheur. Allez, au revoir petit gars. Bah c'est quoi, on va y aller de suite voir ce qu'il y a dans la petite cabane. Bon, c'est avec mon mot de note. Vous êtes mort de rire, Yuna. Je suis en train de manger. Recevez un quart de cœur. Ok, on a un quart de cœur ici, donc on a 5 cœurs maintenant, incroyable. Non, je pense qu'on va aller en ville, commencer à récupérer des fragments du bonheur et on ira les assembler un peu plus tard. Parce que sinon, on va faire que ça le reste du live, on va faire que assembler des fragments du bonheur. C'est un peu chiant. Bon, ici, il y a quoi de beau? Ah, regardez, vous reconnaissez lui. Essayez de proposer des assemblages de fragments à tout le monde. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Alors, on va faire un fragment avec lui. Ah, j'en ai aucun de fragment. Bah oui, bah il faut que j'en achète. Incroyable. J'en ai pas. Quelqu'un peut me donner des fragments du bonheur, s'il vous plaît? J'en ai plus. Alors, je sais comment obtenir des fragments du bonheur, les amis. Alors là, on a 100 rubis. Normalement, la boulangerie, elle est ouverte. Est-ce que la boulangerie est ouverte? Ouais. Alors on va aller à la boulangerie. On va acheter... Alors attendez, on va voir la cinématique. Sniff, 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 miam, miam, ça sent vraiment bon ici. Tu crois qu'ils font des dégustations gratuites? Demande-leur. On va reparler à la dame avant. Bienvenue, choisis ce que tu veux, amène-le moi. Et lui, il demande quoi le boulanger là? Du pétri, 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 le pain sera moelleux, moelleux, moelleux. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Un sandwich? Une petite part de... Alex a ASMR de nuts. Oh non, non, quand même pas. Imagine. Une part de flan? Un croissant ou un pain? Qu'est-ce que vous préférez, vous les amis? Vous savez quoi? Dites-le-moi. Dites-le-moi et je prends. Dites-le-moi et je viens l'acheter. Pense ça, je parle au PNJ. Alors... J'adore faire les courses. Ah, je dois encore acheter un pain surprise chez le boulanger. Sandwich. On part sur un sandwich, les amis, ou pas? Bon, j'espère qu'on a un fragment du bonheur dans le sandwich. Alors. Bonjour, bienvenue à la boulangerie Baker et Powder. Un sandwich coûte 60 rubis.
Il y a parfois une surprise à l'intérieur. Allez, j'achète. D'acheter un sandwich avec du bon jambon et des tomates. Vous avez trouvé un fragment du bonheur à l'intérieur. Quelle bonne surprise! Ouais. T'es une note, t'as trouvé un fragment du bonheur en voulant me faire acheter un sandwich. Nous avons gagné un fragment du bonheur, incroyable. Donc elle m'a parlé tout à l'heure, je crois. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va me dire, lui, là, le marchand qui a un à vendre, là? Par des 2-3 choux et une pomme de terre. Ils sont là, les bons légumes cultivés par Amatectorico. Bien vert et en plus très bon pour la santé. Il y en a que 2-3 de légumes. C'est le marchand qui vend 3 légumes au monde. Ils vendent quoi? Ils vendent... de la salade... une petite salade, là. C'est la... ça dans sachet, là. Des choux et des carottes. Toi, tu vends quoi, toi? Allez, allez, ils sont bien juteux, mes fruits. Ils sont bien juteux. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous vendez, vous? Ah non, elle, c'est une cliente. La natte est bien sale. Ça pourrait rebuter les garçons qui viennent d'habitude. Ah, regardez, les amis. Nous pouvons faire quelque chose d'important, ici. Le ménage. Voilà, grâce au ménage, nous avons libéré la place qui était ici. On aura quelqu'un qui va arriver plus tard. Alors, on va faire un petit tour au village, on va profiter. On va pas avancer plus que ça, on va faire des petits tours jusqu'à la fin du live. Voilà, on a pour encore 25 minutes, on va tout casser, donc on va voir 30 minutes. Donc, on va faire un petit tour par-ci, par-là. Bonjour, monsieur. Incroyable, les amis, regardez. On dirait Mr. Krimari. C'est incroyable. Mon nom est Teshin. Je suis le meilleur épéiste d'Hyrule. Si tu suis l'entraînement de mon dojo, tu es certain de progresser à l'épée. Veux-tu suivre mon entraînement? J'en serai honoré. Écoute bien, voici d'abord la technique fondamentale, l'attaque tornade. Premièrement, maintiens le bouton assigné à l'épée. Deuxièmement, laisse la puissance s'accumuler. Troisièmement, relâche d'un coup. Et voilà. J'ai compris, monsieur. Bon, très bien, tu assimiles assez vite. Mais une technique d'épée ne peut s'apprendre qu'avec la pratique. Je vais prendre le contrôle de ton corps pour te le montrer directement. Voici la technique de l'école Kenshin, prise de contrôle. Contrôle. Attention. Tornade. Ouais. On peut faire une attaque tornade. Allez, c'est à moi de le faire. Vous êtes prêts, les amis? Attention. Non, c'est une bombe, ça. C'est pas une épée, ça. C'est pas là. Ça, c'est une bombe. Je n'ai pas lu, excusez-moi, les amis. Sweet sandwich. J'ai volé pour ce qu'a dit Rirfen. T'inquiète pas, mange sans crainte, cher ami. Voilà. Mais oui, les sandwichs du bonheur, Alex. Ils sont bien juteux, oh my god. Vous êtes dingue, tout public. Tellement de choses qu'on aurait pu dire avec celle qu'elle a dit. Allez, t'imagines. Attention, attaque tornade. On a réussi notre épreuve. Alors, maître, vous en pensez quoi? Je te remets ce précis escrime. Incroyable. Qui a oublié une technique, il te suffit de consulter le prescrit d'escrime. Sur l'écran de statut, quête pour te la remémorer. Vous avez appris la technique secrète de l'attaque tornade. C'est la première technique enseignée par Maître Telchin. Incroyable, les amis, c'est incroyable tout ce qui se passe. Donc, les membres de notes sont calmes. Ma première note, il m'en reste deux. J'ai encore faim. Ça tombe bien. N'hésitez pas trop salé à ma manette, surtout je n'aime pas salé à la manette, j'ai horreur de ça. C'est l'inconvénient. Alors, bonjour, mon petit frère, il est à l'école. Eh ben, va le chercher. Toi, tu dis quoi, toi? Si tu dis bien où, je rigole. En même temps, c'est un chat. Tu dis quoi d'autre que bien? Si tu fais ouf ouf, toi, c'est marrant. Voilà, ouf ouf, voilà. Et là, voilà. Miaou, il a dit miaou, et Woufouf, il a dit Woufouf. Enfin, il a dit Wafouaf. Bonjour, mesdames. Le tournoi était vraiment passionnant. J'ai crié d'excitation sans même m'en rendre compte. En même temps, celui qui a gagné le tournoi, c'est... c'est un fini complet. Hein. Le mec a cassé une épée, il a mis une statue, la grande reine, la princesse Zelda, pardon. Oh là là, c'est qu'il est beau. J'aimerais bien que mon homme soit aussi costaud que celui-ci. Il parle de qui? Il parle de moi. Merci, merci, je suis aussi costaud, merci. Et le postier, là. Postier! Je vais te parler. Bonjour. Non. Monsieur! Oh, il s'est barré, l'enfoiré. Bonjour, monsieur. Quoi qu'il en dise, le maire fait du bon travail.
Merci. C'est moi le maire. Ah, cette boutique n'est pas encore ouverte. Tant pis, on viendra plus tard. Ah, ok, bon, poisson, on peut pas y aller ici. Est-ce qu'on peut aller dans le puits? Non, pas dans le puits. Il peut quand même prendre le contrôle des gens, je me méfierai perso. Grave. J'adore faire les courses. Ah ouais, on l'a vu tout à l'heure ça, on l'avait parlé à elle tout à l'heure. Bon, y a pas un habitant incroyable dans... Ah, regardez ce qu'il y a ici. Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Encore un logo étrange. Ok, donc on a retrouvé un logo étrange. Va dès le puits, si si. Ah ouais, ouais, pas dans le puits. Ok. J'étais pas sûr qu'on pouvait aller dans le puits. Ok, bah. Ok, d'accord, c'est ce côté-là. Okay. Ça m'est revenu après. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce puits? Eh ben, on peut pas y aller. Parce qu'on peut pas y aller, voilà. Tout ça pour rien. Il est beau le puits, hein. Quoique, attendez. Je vais vérifier un truc. Ok, juste ça. Ok, j'étais pas sûr. Elle aime faire les courses. Ouais, elle aime faire les courses apparemment. Bah moi j'aime faire les courses, hein. En même temps c'est mon métier, la grande distribution. Donc j'ai l'habitude à les courses. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les gosses qui sont là maintenant? Bon messieurs, mesdemoiselles, mes jeunes hommes, madame, enfin mademoiselle pardon. Oh, hop. Bon vas-y, ils m'ont saoulé ces deux gosses, j'ai plus envie de leur parler. Bonjour monsieur. Je suis venu emprunter un livre, mais c'est encore fermé. Je vais attendre. Les personnes âgées savent prendre leur mal en patience. J'avoue, monsieur. J'avoue, j'avoue. Ah, la poste. Bonjour, postier. Piaf, piaf, de droite à gauche. Ah, lui, il travaille à la chaîne, vous avez vu. Hop, il fait chaque courrier, les tri, etc. Incroyable. Hein. Lui, il a un métier des plus passionnants, je vous le dis de suite. Bonjour, monsieur. Tu as pris l'attaque tornade. Tu devrais donc pouvoir se défendre contre les monstres. J'ai vraiment être sûr. Fais-moi cette attaque tornade. Et voilà. Bien excellent. Prends garde tout de même les alentours bruits de monstres. Ok, on pourra sortir par là par la suite. Très bien. Voilà. Bonjour le facteur avec un chapeau noir. Maître Deschine y enseigne des techniques d'escrime en personne. J'aimerais bien y être son élève. S'il me semble qu'on pourrait y aller plus tard grâce à notre objet, d'accord. Oublie pas les échanges de fragments et je crois que le papy en avait un. Ah, je sais plus. Faut que je regarde par la suite. Oh là, regardez, un monsieur d'une autre dimension. Je viens d'un lointain pays, mais tu as dû deviner mes vêtements. Ouais, parce que j'avais vu tes soeurs la dernière fois qu'ils sont débarqués là. Ils sont débarqués à 40. Oublie pas les échanges de fragments. Ouais, non, c'est le menu. C'est Rokul qui attaque. Qui attend normalement. Best guy dans ce village. Le mec bosse plus que n'importe qui. Et tout le monde s'en fout de lui. Y'a Pochijon Ken. Pochijon Kanoï aussi. Oh, j'ai compris Ken. Ouais. Fais attention les mots, madame. Ken, ici, attention. T'as des fragments, j'espère que ça va coller. Allez, lui, c'est un point d'interrogation. Non, ça marche pas. Il va falloir trouver un ami qui avec qui ça marche. C'est très compliqué ça. Bon, on a fait le tour de la ville, hein, on va pouvoir continuer en vrai. Il n'y a plus rien à faire ici, je crois. Désolé, je connais la première version seulement. Donc là, il y a un chien qui va faire waf waf. Ah, bonjour madame. C'est terrible, allez. Oh putain, il faut faire tomber ma manette. Ah, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Attendez, il va recommencer. J'ai pas vu ce qu'elle a dit. Je vais tomber ma manette. Attendez. C'est terrible, à l'aide. Les cocottes se sont échappées. Tu veux bien m'aider à les rattraper? Ah, bien sûr, évidemment. Allez, on va le faire. C'est attraper au moins deux en 25 secondes. Pff, ne sors pas de la ville, ne rentre pas dans les maisons. Prêt? Partez. Allez. Il y en a une là. Hop. Allez. Et un chocobo. Une poule, oh là là, je dis n'importe quoi, en plus c'est une trompe de jeu et incroyable. Fais-moi récupérer une dernière, regardez, vous êtes prêts?
Regardez une poule d'or en plus. Ah! Reviens toi! Tu veux de l'argent? C'est fini! Ma cloche c'est. Alors, combien j'ai ramené de poules? Ouais, j'en ai ramené deux. Waouh, j'ai vite compté. Hein. T'as obtenu du coquillage, incroyable. Allez, on recommence. À l'aide. Allez, cette fois c'est plus, je crois. 3,25 secondes, vous êtes prêts? On va prendre la poule d'or en premier. Hero James Sachs, comment ça va depuis tout à l'heure? J'espère que ça se passe toujours bien. Que tous les pas de soucis de ton côté. Hop, regardez, la dernière poule, elle est là. En plus, j'ai récupéré une poule d'or, mais c'est incroyable, ça. En or! Incroyable, t'as vu ça, Rirfen? J'en ai récupéré 4 au métro, t'as vu? Et dont une en or. Ça, c'est pas un score incroyable. Allez, encore une récompense. Ouais, encore des coquillages, c'est incroyable. Et je gagne 80 rubis, incroyable. Allez, on va pouvoir aller à la boulangerie. On va acheter des fragments. Allez, cette fois... Cette fois, une autre gourmandise. Allez, une autre gourmandise. Un pain, un flan ou un petit pain. Allez, je vous laisse deviner pendant que je mange mon donut. Devinez où ira le fragment. Et alors, où sera le fragment? Dans le pain, dans le petit pain ou dans le flan? Un bon pain aux amandes pour moi, s'il te plaît. Un bon pain d'amande, il faut... Madame, est-ce qu'il y a des amandes dedans, s'il vous plaît? C'est le mec qui joue trop RP, c'est d'un seul coup. Ça, c'est que je regarde GTA RP en ce moment. Ça joue des tours. Un pain. Alors, un pain, un bon pain, un pain. Écoutez, on va dire que c'est un pain... trois saveurs. Deux saveurs. C'est un pain normal et un pain aux amandes d'un autre côté. Voilà. Allez, bonjour. Bienvenue à la boulangerie Baker et Powder. Un pain au lait. Ah, c'est un pain au lait. Les amis, c'est un pain au lait, c'est pareil. Hein. C'est pas de chichi. Hein. J'achète. J'ai acheté un pain au lait. Il a l'air moelleux à souhait. Rien pour cette fois. Dommage, on n'a pas eu de fragments. Tu joues sur quel serveur? Non, je joue pas à GTRP. De toute façon, je peux pas y jouer sur mon PC à l'heure actuelle. Mais j'aurais bien voulu. Non, actuellement, je joue pas sur mon PC, mais je... Mais je regarde des vidéos sur le GTRP, des fois ça me fait rigoler comme un gros mongol. Je rigole sur mon PC, mais j'aime bien rigoler. Ouais, parolé, c'est bien. Tu peux pas pétrir les miches de la boulangère? Bah, ça peut peut-être faire un meilleur pain, hein, écoute. A voir, cher Khan. Bah ouais, parolé, vraiment, voilà, bon, écoutez, on va pas faire chichi, les amis. C'est incroyable, hein, ce qui se passe. On a eu 0 fragments. J'ai juste envie d'aller casser sa boutique et foutre le bordel, en vrai, bref. Hop, bon, il est 19h, on va faire encore un quart d'heure, 20 minutes de live, les amis. On va aller faire un peu le tour à l'extérieur. Allez, plateau de Bellette. Oh, j'aime pas ce plateau-là, en plus, c'est incroyable. C'est le pire plateau du jeu dès le début. Regardez, un fragment. Ça tombe du ciel. Vous gagnez un fragment du bonheur. Les fragments sont d'étranges pierres qui ont la réputation de porter chance. C'est incroyable. Allez, on va essayer de récupérer d'autres fragments, les amis. Le but, c'est d'être riche. Hop. Je suis sûr, il y a des créatures dans les rochers, on va faire attention. Il n'y en a pas pour l'instant. On a vu tout à l'heure. On va faire attention de ne pas en avoir là actuellement. Il faut dire madame, puis vous pétrir les miches. Ta connexion, elle déconne toujours au James Sachs. J'espère que ça va aller pour toi, hein. J'espère vraiment que ta connexion va se rétablir, en tout cas. Encore désolé pour ma voix qui est cassée, c'est vrai que c'est chiant, ouais. J'ai toujours la voix cassée. Ouais. Je crois qu'il y a un live, ma voix est cassée, de toute façon. J'ai jamais de chance. Ok, on peut aller à gauche. Est-ce qu'on peut aller autre part? Ah, on peut aller ici. On va aller voir ce qu'il y a ici, avant. On va faire dans l'ordre. Donc là, on peut pas y aller pour l'instant. On peut aller à la droite, ouais. Peut-être qu'on peut mettre une bombe ici, je ne sais pas, on va faire un test. Est-ce qu'on peut mettre une bombe ici? Pas du tout. Alors ici, il y a quoi de beau? Ah, il y a un chemin à découvrir. Ok. Ok, on va essayer d'avancer tout doucement. Ok, il n'y a rien du tout à faire ici. Là, c'est pour plus tard, je pense. C'est pour plus tard. Très bien. Alors, on va aller où? Donc, du coup, on va aller à gauche.
On avait vu une route tout à l'heure là-bas à gauche, ouais. Hop, tombe dans l'eau, toi. Fais pouf pouf. Bomber Alex, pied du Mongogle. Ah, regardez, il y a un truc à récupérer ici. Ah, bah, c'est là qu'on devait aller au Mongogle. Oula, lui, on le connaît. On l'a vu tout à l'heure. Il est pas commode avec nous. Bon, faut que j'arrête de mettre des bombes partout. Hein. J'ai l'impression que je suis un pyromane et un bomberman, ouais. Bomber Alex, comme tu dis, Yuna. C'est mon pseudo, hein, Bomber Alex. Tu m'as bien eu. Pour me faire pardonner, je vais te donner une info très intéressante. Un ami a un objet qui te serait très utile pour escalader le Mont Gogol. Il habite une grotte au sud du plateau de Belay, tu devrais aller le voir. Bon bah c'est parti, on y va. La politesse avant tout, évidemment. Ah bah voilà, nickel. Du coup, le matos est bon. Et bon, à part ça, tu kiffes. Bomber Alex, il l'a eu, bien sûr. Ça discutaille. Bon, nous on va aller au sud du plateau Belette là parce qu'il y a des trucs à récupérer. Pour l'instant, on a été au nord. Ah, un chemin à récupérer par ici. Ah, d'accord, très bien. J'ai pas vu le truc à bombe tout à l'heure, peut-être. Ou je suis pas venu dans la grotte, je sais plus. Je suis pas venu ici, je crois encore. Oh, regardez qui est là. Mister, je frappe les gens avec des noix là. Un fragment, ouais, ouh. On va pouvoir faire des. On va pouvoir faire des. Des parties de fragments. Le meilleur moment de notre vie. Allez, c'est parti. Tu m'as bien eu. Pour te faire pardonner, je te vends un flacon pour 20 rubis. Je le prends. Et tu pourras y mettre plein de trucs et tu en auras besoin au Mont Gogol. Ça t'intéresse? Bah oui. Vous recevez un flacon. Vous pouvez l'utiliser pour transporter toutes sortes de choses. Merci, à la prochaine. Incroyable, les amis, on a un flacon et il se passe quoi là? Il se passe quoi? On a un flacon, on a une info très intéressante. On a un truc, on sait pas à quoi ça sert ça, on peut pas le bouger, je sais pas ce que c'est. On a vu, il faut faire un truc, je sais pas. Attention Alex, il y a rien. Un E9. Ouais, peut-être un E9, ça serait cool. On va essayer d'avoir, on va essayer de voler à dos d'hirondelle, tiens, dos de pélican. Ce serait vraiment cool. Le mec a des idées farfelues à dos de pélican, je sors quand même. Bonjour, je vais aller voir à la reine. Oh, je vais voir la reine. Je m'empêcherai pas. Incroyable, j'ai perdu ma connexion wifi de mon téléphone. Ah, ma connexion de téléphone, putain, j'ai time le bouffe. Putain, mon téléphone s'est éteint, il n'y a plus de batterie. Attends, il va regarder, les amis. Bah, regardez, je connais la technique de l'attaque tourbillonnante. Ah, il veut pas. Il veut pas. Ce monsieur-là, il veut pas. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Ben, on est bloqué, hein, de nouveau. Incroyable. On arrive dans le jeu, on est bloqué. Le 9, c'est un Pokémon. Ouais, Ouais, le 9, c'est dans la première version de Pokémon, ouais, je me rappelle. Il voulait un Pokémon, notre coco, je crois, un truc comme ça. J'ai plus de souvenirs, mais je crois que c'est ça. Quand c'est que mon téléphone s'est éteint? Je comprends pas. Je pense que je vais pouvoir jouer sur PC maintenant, mais c'est incroyable, Jamesack, si tu peux jouer sur PC. C'est incroyable. Ah d'accord, mon téléphone n'a plus de batterie. Incroyable, c'est pour ça qu'il s'est éteint. Il n'y a plus de batterie. On est de la vertique, même pas vertique, il n'y a plus de batterie. Il s'éteint comme ça. Ce qui est fou, qui est fou, qui est fou. Bon, maintenant on va où? On va au nord. Oh, il y a encore des travaux, bah, arrêtez. Putain, c'est pire que qu'à Lille, hein. Je vous dis à Lille, les travaux partout, mais alors là, laisse tomber. Téléphone qui est mort en poule. Incroyable. Ah, on n'a pas vu ce chemin tout à l'heure, hein. Il y a un chemin important ici, allez voir. Il y a peut-être une arme, non, je sais pas. Je sais pas ce que quelle grotte contient quoi. Ouh là là là, je la veux. Je la fais. Je veux une fée. Je la veux. Il a trouvé une fée, elle vous redonne de l'énergie. Ah, on a une fée, les amis, c'est incroyable ça, non? Bon, on va voir ce qu'il y a par là maintenant. Pas toute belette. Ici, y a rien. Bon, on va aller au nord. Hein. Est-ce qu'on retourne au plateau de belette? Ah, ok, bon, on peut pas y aller. C'est le bois de l'Est, on peut pas y aller. Très bien. Bon, on va aller en haut.
J'espère qu'on va pouvoir se trouver à une sortie parce que là, je sais pas où il faut aller en vrai. Là, je sais plus où il faut aller où. Je suis perdu, les gars, ça y est. On peut pas aller au nord, c'est fermé. On peut pas aller au sud, c'est fermé. On peut pas aller nulle part, mon dieu. C'est incroyable. Hein. Bon, lui, il me laisse passer. Donc, c'est peut-être par ici, sur moi, la suite. Il y a peut-être un chemin qui nous amène au château, je ne sais pas. Peut-être que nous pouvons aller au château par ici, par exemple. Bon, il faut trouver un moyen d'y aller, parce que les amis, là, on est bloqué, c'est pas normal. J'aime pas ça. C'est-à-dire qu'on est bloqué. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller là? Non, pas du tout, aucun moyen. Mais on est bloqué. On est bloqué, ça commence bien. Je sais pas du tout où il faut aller où. Pourtant, j'ai tellement. Je l'ai fait plusieurs fois ce jeu, c'est pas possible, je l'ai fait qu'une fois. Hein. Peut-être au nord? Non. Bon, on va retourner mon Google, hein. J'ai loupé une étape. J'ai loupé une étape importante dans mon Google. Alors du coup, on va arroser ça, on va commencer à avancer. Bon, je crois que la route, elle est par là, hein. On n'est pas bloqué, je crois qu'il faut avancer dans mon Google. Ah, je me suis dit, peut-être qu'il y a une créature qui va nous faire chier. Bon, ici, il y a quoi? Ici, il y a quoi? Il y a quoi? Ah, il y a des créatures qui sautent, très bien. Des créatures qui vont nous sauter dessus. Pourquoi attraper la fée, la Sion, dans un bocal? Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Je suis fan. Ouais, j'ai loupé un truc, mais non, enfin, prochain live, je ne devrais plus rien louper. Tu dois dans la ville, 100-300 minutes, je crois. Je ne peux pas plus. Non, c'est pas ça, à son, mais ouais, non. Bah, si je suis vraiment bloqué, je te le demanderai. Non, mais évite de dire maintenant. J'essaie d'avancer un peu plus quand même, mais je crois que j'ai trouvé, de toute façon. Ça m'est revenu là. Garde. Encore des fées, t'as vu? On est riche, il y a plein de fées. Ah bah oui, mais t'as chopé un truc pour faire pousser les plantes. Ouais, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau, juste de l'eau. C'est la façon number one à faire pousser les plantes de l'eau, de toute façon. Ok, bon, il faut aller où maintenant? Parce que là, on s'amuse, mais il faut avancer un petit peu. Hein. Ok, je dis plus rien. Ouais, j'essaie de découvrir un peu de mon côté, t'inquiète. Si j'ai besoin, je te demanderai. Mais merci quand même. De toute façon, c'est pas ça, donc. Règle numéro 1 à chat, toujours laisser galérer les streamers jusqu'à qu'ils le demandent. Haha. Allez, on va essayer d'avancer tout doucement. Alors, ah bah voilà, regarde, c'est ici qu'il fallait aller, madame Luna. Voilà. Allez, mini cap. À l'action. Et là, on est tout petit. On peut rentrer dans les petites failles, les petites fentes même. Ce banal rocher est en fait une entrée secrète Munich. Il y a peut-être d'autres entrées Munich dans des rochers. Ouais, bah c'est ce qu'on va essayer de voir. Il n'y avait pas de soucis, pas de soucis. Hop! Là, j'ai mis une bombe. Comme dans un esprit, je me suis trompé, j'ai mis une bombe. Hop! Bon, on va pas tuer les créatures pour l'instant. À moins qu'ils ramènent des fragments, je sais pas. Bon. On va essayer d'avancer un petit peu quand même. Parce que là, on a assez de rubis. Oula, je suis mis dans l'eau. Ah, c'est bon, ça me revient. Je sais ce qu'il faut faire. Ça me revient. T'as fait, on va prendre deux de Google. Voilà, on pourrait aller sur internet, mais on a le Google. On va pouvoir pirater. Non, c'est pas vrai, hein, c'est une blague. Ne fais jamais ça. Des petites fentes, c'est sale ça, Alex. Ah, non, non. Ah, y a rien de vulgaire dans mes paroles. Un petit peu, mais. Éloigné, tu vois, comme ça. Je l'ai sous. J'ai sous fait entendre sans le dire en vrai. Bon, il faut aller où maintenant? Parce que là, c'est bien, on a de l'eau étrange, on a ce qu'il faut. De toute façon, on va bientôt arrêter le live, les amis, je pense. On va bientôt cesser là. Ça fait quand même un total de 3h05 en live. Hein. Je crois que j'ai pas été aussi longtemps en live, je crois, qu'aujourd'hui. Bon, c'était pour me rattraper de ces retards que j'avais. J'ai live que j'ai pas pu faire auparavant.
Ok. Ok, ici c'est la féflation. Non, non, je crois qu'il faut aller par ici, ouais, par là. Ok, on a trouvé la route, c'est bon. Il y a une grotte ici. Ouais, une grotte. Allez, on va aller voir ce qu'il y a de beau ici. Boum, balaboum. Qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte? Il y a Batman, regardez. Hop, on s'est débarrassé de Batman. Hop, il y a encore des Batman ici. Voilà, les Batman sont mortes. Hé, hey, cette sale bête, ferez-moi la maligne, c'est dans son masque de fer. Ouais, mais tu sais, pas besoin du masque de fer pour la tuer. Hein. Je sais l'astuce. J'ai l'astuce pour la battre. Voilà. Et puis il est mort, hop. Allez, on avance tout doucement, sûrement. On va trouver on est sur la bonne voie, on va trouver la faille à cette grotte là. On est juste de rentrer dedans, je dis ça. Comme si ça fait une heure qu'on est dans la grotte, ça fait 30 secondes qu'on est dedans et je dis on va trouver la sortie. Oui, bah bien sûr. Ok, on avance. Ah, mais attends, on peut y trouver. Gamin, essaie de sauter dans cette tornade par le haut. Je viens d'avoir une idée de génie. Mais quelle est cette idée de génie? Mais dites-la moi, monsieur. Incroyable. Tornado Man. Tut-tut-tut. Tornado Man. Ok, il y a une grotte ici qu'il faudra qu'on aille visiter un peu plus tard. Ok, ici, il y a quoi? Voilà, créature qui a failli me faire du mal, voilà ce qu'il y avait, ouais. Hop, on essaie de dégager la route. Qu'est-ce qu'il y a de beau par le... Ah, une bombe à placer, je parie. Ah, il me reste plus que deux bombes. Bon, ça va plus avoir de bombes, les amis, à force de tout utiliser sur les failles. Ah, allez, on va dire que là, il redonne des bombes. On va dire que là, il redonne des bombes. Ah, 50 rubis, mais j'ai plus de bombes. Bon, bah, on va falloir qu'on revienne ici. Il faudra pas oublier qu'il y a deux coffres ici. Bah, ça, il faudra que je regarde. Faut qu'on se rappelle avec la rosif, ça va être compliqué. Ici, un fragment de cœur, c'est important de l'avoir. Hein. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'avoir le 100%, même s'il manque un fragment dans le premier donjon. J'essaie de trouver un moyen de le récupérer, bien sûr. On va essayer de faire la grotte aussi avant de partir. Après, on va essayer de faire la grotte qu'on n'a pas pu visiter tout à l'heure. Ok. Alors, est-ce que on peut libérer le rocher? Yes. Alors, il faut aller où maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la suite du programme? Ok, faut qu'on aille sûrement chercher cette graine. Ok, ouais, c'est ça. Faut qu'on aille chercher la graine et qu'on aille la mettre à côté. Et la faire pousser avec sûrement de l'eau spéciale. Hein. C'est, si je me trompe pas, c'est ça. Bon, c'est pas vraiment du spoil puisque on en est arrivé là. Allez, on prend la graine. On va la mettre dans le socle spécial. On va progresser. Et puis on va essayer cela juste dans 5-10 minutes à peu près. Le temps de faire ça. On a quand même pas mal avancé sur Zelda hein, pour un premier live. Je trouve même qu'on a très très bien avancé sur Zelda. Je sais pas si vous êtes d'accord les amis, mais je trouve qu'on a vraiment très très bien avancé sur Zelda. Allez, c'est parti, on se remet en grand. Le mode mini est terminé pour moi. Hop, on aspire. On expire. Elle est grosse ta graine. Ah, incroyable. T'as vu? Il faut de la force hein, pour la porter. Hein. Allez, fais-moi pousser cette merde. Et juste avant d'y aller, nous ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va essayer d'aller voir la grotte de tout à l'heure que j'ai pas pu visiter. Parce qu'on va l'oublier après. Allez, on y va maintenant. Alors, qu'il y avait ce qu'il y avait dans cette grotte? Un monsieur avec des... qui tire des graines. Allez, tiens au-dessus. Tu m'as bien eu. Enfin, pardon, je te vends 10 bombes pour 30 rubis. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'ai besoin de bombes. Merci. Et ben, on va pouvoir retourner dans la grotte de tout à l'heure. On va monter en haut. On va voir ce qu'il y a au-dessus. Et s'il y a un moment intéressant qu'on arrive, ben, ce sera à ce moment-là un cliffhanger de fin. Eh oui, du suspense pour finir. On laissera ensemble. On arrêtera devant le truc. On rentrera pas de... dans le truc, s'il y a un truc à découvrir, par exemple, s'il y a une grotte ou un passage à découvrir, on se laissera là. Et Dieu, s'il y a ça.
Ça veut pas dire qu'il y en a forcément. Ok. Allez, reprend les tornades. Tornadoman. Tornadoman. Hop. Alors là, il faut aller où du coup? Il faut aller où on a pris la graine. À droite, il n'y avait rien. On avait regardé ici à droite. Oula, attendez, on va là à droite avant. Il y a une grotte à visiter. Je vais visiter cette grotte, s'il vous plaît. Laissez-moi visiter. Allez, on arrive à la fin, tout doucement, les amis du live. On va peut-être faire un petit raid à une petite personne qui est en live, ou un petit streamer ou quoi, on verra. On verra qui on raid. Je sais pas qui est en live actuellement, je vais regarder après. Sur si on peut rester juste pour faire un petit coucou. On va voir un petit streamer qui doit être en live, on va voir s'il y en a un. Je crois que t'allais la louper. Ah, un fragment du bonheur, incroyable, vous avez vu les amis. Une grotte pour un fragment du bonheur, mais c'est vraiment magnifique. T'as cru que j'allais louper quoi? Ah, que j'allais louper la bête, que je viens de tuer, ça. Non, 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 je joue jamais mes cibles, Yuna. Tâche-le, je joue pas mes cibles comme ça. Tu vois vraiment que je m'en sorte vivant. Vivant, je dis bien. Oui, madame. Vivant, vous avez entendu. Je trouve qu'elle te ressemble. Quel enfoiré. Incroyable ce mec. Ah là, mon cher James Sachs. M'a fait rigoler. Bien joué. Bon, il y a quoi ici? Parce que là, c'est bien, mais il faut qu'on avance, nous. Voilà. Et lui, ça parle mal. Hein. Ouais, ça parle mal, mon cher. Vous avez vu? Mon cher Derfen. Moi je lui dis une fois s'il est. Il se fait tuer par le docteur. Quand il était chez lui, le docteur il l'a tué. Il est jamais revenu. On se sent. Ouais, un fragment. Allez. Bientôt on va pouvoir arrêter. Là je crois que tu sais où on va. Tu sais où on va arrêter à peu près. Juste regarder. Non, mon téléphone, il n'y a plus de batterie. Ça va être chiant pour. Pour voir qui est en live. Ah purée, je vais pas pouvoir savoir qui est en live du coup. Ça va être compliqué. Ah merde. J'ai pas la liste du coup. Bah ouais, j'ai mon téléphone, il n'y a plus de batterie, j'ai oublié, je peux pas regarder qui est en live. Parce que je peux être depuis mon. Depuis Streamlabs, mais. Faut que je sache qui est en live avant quoi. Bon, on s'en fout. Alex. Oui, c'est moi. Enchanté. Yuna, Alex, Yuna. No more fun pour you. Ouais, j'ai plus de batterie. Incroyable. Oh là là, encore une grotte. Mais c'est pas possible. Nombre de grottes que nous avons visitées aujourd'hui. C'est pas bizarre de dire ça, mais bon. C'est à peu près, hein. Allez hop. Un fragment, encore un. Allez, hey, les gars, on va avoir plein de fragments à force. On va être Monsieur Fragment. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Je reste juste deux secondes. J'ai pas fini encore mon live. J'arrête pas encore. Juste mettre pour charger mon téléphone un petit peu. Pour voir ça après qu'il arrive. Qu'il arrive. Évidemment, j'ai pas mis le jeu en pause. Incroyable. Je suis mort. Incroyable, je vais tout recommencer en plus, je crois. Bon, bah, sinon, je vais devoir arrêter là, donc pas très grave. Bah, attendez, je vais regarder où on est arrivé. Ouais, non, bah, tant pis. Ouais, on va arrêter là, les amis. Enfin, je crois qu'on va arrêter là parce que du coup, tant que je cherche qui enlève et tout, laisse tomber. Tu vois-tu, en tout cas, qu'on a bien avancé sur ce Zelda. On a fait quand même du GTA. Tu viens juste de démontrer que tu es méchant avec moi. Tu viens d'avoir que je suis gentil. Je suis une gentille table. Bon, bah, voilà, les amis. Bon, du coup, je vais arrêter là. Moi, je vais regarder qui est en live. Mais je sais pas qui est en live, c'est chiant. J'ai mon PC, je vais mettre 3 ans à le voir. Bon, sinon, ça va aller vite. Je vais pouvoir savoir qui est en live.
Donc on va voir s'il n'y a pas une petite personne qui est en live là. On est fait un petit coucou. Je vais mettre ma caméra avant. Du coup, pour vous dire, parce qu'il n'y avait personne au début, donc je l'ai pas dit. Regardez au niveau des argent familial, au niveau des points de chaîne, j'ai mis pour 30 000 points de chaîne, vous pourrez choisir le prochain jeu parmi une liste que je vous donnerai, bien sûr, une liste que j'ai déjà prédéfinie. Vous choisirez un des 5 jeux si toutefois vous n'aimez aucun des 5 jeux. Vous pourrez me proposer surtout des jeux d'une console que je vous dirai. Je vous dirai si je l'ai, on le fera peut-être dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. J'ai encore faim. En tout cas, je vais te merci à vous d'avoir été là. Ça fait 3h15 de live, c'est incroyable. On était là pendant un gros moment. Et je vais pouvoir voir qui est en live sur Twitch du coup. Voir si je fais un petit raid ou pas pour faire un petit coucou à quelqu'un. Faire un petit soutien, hein, ça fait toujours plaisir, vous savez. J'ai pas qui est en live du coup, j'ai pas vu. On est là, Dissiman. Dissiman est en live, on est là, monsieur Dissiman. Allez les amis, moi je vais vous laisser là, je vais les raids de monsieur Dissiman. N'hésitez pas à faire un petit coucou à monsieur Dissiman, il fait à mon avis. Ah, il fait du Star Wars Battlefront 2, tiens, pour changer. On va aller voir monsieur Dissiman. On pourra lancer un raid chez lui. Un petit raid ou un petit host, c'est pareil. Mais merci encore d'avoir été présent les amis. Dites-vous bien que je pourrais pas faire des lives souvent, mais on va essayer d'en faire le maximum de possible. J'essaierai de refaire assez vite la semaine prochaine, en début de semaine. J'essaierai de continuer Zelda et peut-être jouer un peu à Ella Noire en seconde partie, on verra. Mais en tout cas, moi je vous laisse ici. On remercie tous les gens qui ont été présents, l'heure, qui ont été là pour faire un coucou, etc. Merci encore à vous. Merci à vous. Je vous adore, vous êtes les meilleurs. Et merci d'avoir été présent pour ces deux jeux. On va voir Monsieur Dissiman. Mettez un petit coucou ou restez juste faire un petit salut. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Merci encore. Et n'hésitez pas à aller voir Rirfen hein, qui fait des lives. Actuellement, c'est le seul streamer parmi nous. Et merci encore, les amis. Ciao tout le monde. On va voir Monsieur Dissiman. On lance le raid. Normalement, ça se lance directement. Ouais, c'est bon. Allez, on va voir Monsieur Dissiman tous ensemble. Allez, salut tout le monde. Amour sur vous.